Va à ton nom, Bernard. Va là où on a mis ton nom. Vous me dites ? Bien. Eh bien, écoutez, très bienvenue. Merci d'être venus aujourd'hui, si nombreux ici, pour notre journée de table ronde. Et permettez-moi, en ces premiers jours de janvier, de vous retransmettre mes voeux, adresser mes meilleurs voeux pour vous et pour vos amis et votre famille, intervenants et bien sûr auditeurs. Permettez-moi aussi de consacrer sur un mode un peu personnel ces premiers mots à mon exercice préféré, ce que Sioran appelait ses exercices d'admiration. Ils ont un double effet, non seulement ils satisfont celui qui les pratique, c'est-à-dire moi aujourd'hui, mais simultanément ils imposent de sa part l'impérieux besoin de les partager, ce que je fais avec plaisir avec vous. Cette admiration, je l'avoue, est la motivation et le ressort secret des invités que j'ai choisis ici, du rassemblement des invités que j'ai choisis ici autour de ces deux tables. Et cette estime profonde à l'égard de nos invités, elle se fonde pour la plupart d'entre eux sur d'anciens et très fréquents compagnonnage au plus près, à travers de nombreux engagements partagés au cours de différentes missions et actions propres à nos institutions, musées, fondations, institutions publiques et privées, à travers la conception des expositions, la participation à des débats, la rédaction des catalogues, la négociation de prêts et surtout les nombreuses discussions et dialogues tout à fait informel que nous sommes amenés à partager ensemble. Donc, ce que nous attendons ici de ces échanges avec eux, grâce à nos deux présidents de séance, c'est que soit dégagé ce qui fait pour nous leur importance et les situe comme des références quasi obligées pour aujourd'hui, à savoir, à mes yeux en tous les cas, la singularité de leur point de vue, de leur positionnement, de leur parti pris, dans des situations qui sont toujours très particulières. Et ce sont ces différences-là qui font, à nos yeux, leur exemplarité toujours très stimulante pour chacun de nous. Olafur Eliasson dirait très inspirante. Bien sûr, je pense qu'aucune de ces institutions ne tient à exposer ici, et encore moins ne cherchera à imposer, une solution premium, elle serait évidemment totalement fictive. Ce qui nous fascine au contraire à chaque fois, chez chacun de nos interlocuteurs, c'est la jeunesse, la justesse très innovante des solutions qu'ils réinventent dans leur spécificité, parce que à la recherche d'une adéquation qui soit très, très, très ajustée, très réfléchie, parce que toutes les situations sont différentes, elles sont hétérogènes et tous les référents, en effet, sont particuliers. Je crois, en effet, que ce qui est vital pour chacun de nous, c'est la conscience de l'impérieuse nécessité, dans un monde qui est en profonde mutation, de se nourrir des analyses et des points de vue des autres. Alors ici, c'est l'exposition du MoMA, à l'origine de notre rassemblement, qui nous offre à cet égard une sorte de manifeste de ce que sera le nouveau musée tel qu'il se présentera agrandi en 2019. Ce musée mythique, qui est une référence canonique, sans oublier ses fondamentaux, veut les repenser dans un paysage artistique mondialisé et maintenant bouleversé par
non seulement les nouvelles technologies, mais aussi des changements sociétaux qui sont considérables. Autour du MoMA, donc, ce matin, réunis au plus haut niveau, les responsables des plus grandes institutions nationales et internationales, qui sont des références, à travers leurs multiples missions, mais j'aimerais que soit dégagée tout particulièrement leur mission envers la constitution et la conception d'une collection et d'un profil propre pour celle-ci. Cet après-midi réunira des acteurs phares de cette scène muséale internationale, parmi les plus engagés dans la recherche de nouvelles hypothèses et de nouveaux modèles muséaux. Ainsi, grâce à nos deux présidents, chacun de ces invités aura l'occasion de se présenter clairement à travers des propositions qui sont reconsidérées pour non seulement être modernes, mais pour rester modernes. Et nous attendons d'eux des propositions actualisées et très identifiées. Permettez-moi par contre de dire quelques mots pour présenter nos deux présidents, un titre qui me fait peut-être sourire, et le mot de modérateur étant particulièrement amusant, puisqu'on a affaire dans les deux cas plutôt à des bolides. Ce sont également des complices de longue date. Ce matin donc, c'est Hans Ulrich, qu'on ne représente plus au Brist, avec qui je partage un très long et stimulant compagnonnage depuis ce début au Musée d'Art Moderne, où, accolé au département d'art contemporain, on avait imaginé ensemble une formule très nomade et qu'on avait baptisée de migrateur de façon assez prémonitoire et qui visait à montrer des artistes tout à fait émergents dans un effet de nomadisme à l'intérieur même du musée. Depuis lors, Hans Ulrich, et de façon éclatante, s'impose comme un des meilleurs émissaires de la scène artistique mondiale, dont il est devenu l'activiste et l'impulseur numéro un. Pour ce faire, parmi ses atouts, le premier, c'est une inlassable curiosité, tous azimuts, concernant tous les domaines et toutes les forces vives de la pensée, qu'elles soient du domaine scientifique, du domaine artistique et toujours au plus près, et surtout en multipliant les croisements de toutes ces transversalités. Et comme vous le savez, en témoignent tous ces multiples interviews et multiples publications également. Il contribue chez lui aussi une remarquable capacité de synthèse liée, de façon très provocante, à une grande fulgurance, selon le plus parfait des oxymores. À ce titre, c'est vrai, il a quelque chose d'unique et d'autant plus qu'il a eu toujours, très sagement, la sagesse d'arrimer ses visions à une action de terrain. Comme chacun sait, il est aujourd'hui le directeur artistique de la Serpentagne. J'ajoute qu'il est très lié à notre fondation depuis ses débuts, puisqu'il a été co-commissaire de l'exposition Eliasson, a participé au débat qui était lié à cette présentation, et il en est aujourd'hui un consultant régulier. Cet après-midi, ce sera Elisabeth Lebovici, historienne de l'art et critique. Elle enseigne aujourd'hui à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, tout en étant sollicitée un peu partout, internationalement, pour des débats toujours très engagés. En France, elle est très respectée depuis sa contribution suivie au journal Libération pendant quelques 15 ans, et aujourd'hui à travers un blog très pointu où sa liberté de ton et la rigueur de ses analyses assis son crédit dans un positionnement qui est toujours ailleurs et autrement. Auteure marquante
notamment depuis une publication consacrée aux artistes femmes, elle a publié en 2017 un ouvrage qui fera date, Art et activisme à la fin du XXe siècle, centré sur ce qu'on appelle les années SIDA, qui est un livre militant et remarquable, d'ailleurs hautement remarqué et primé de multiples façons, pour la qualité scientifique et toujours la rigueur et la profondeur de son engagement. Ce sont deux mots qui sont ses fondamentaux. J'ajoute qu'elle fait preuve depuis toujours d'une rare éthique d'intellectuelle. Osant des positionnements clairs, voire provoquants, elle m'a toujours un peu épatée en avançant que sur des bases très assurées et un capital culturel et réflexif très impressionnant. À titre personnel, outre la considération qu'elle m'inspire, elle a été présente dès le Musée d'art moderne avec moi, où elle avait participé en tant qu'historienne à des publications et notamment de catalogues, et avait créé le journal. Par rapport à notre fondation depuis les débuts, elle a contribué à notre premier ouvrage, le catalogue des clés d'une passion, avec une analyse pointue sur la notion de canon, précisément instaurée par le MoMA et son directeur Alfred Parr. Elle a de ce fait assuré en même temps une participation à notre premier symposium. Aujourd'hui, ce symposium est le troisième organisé à l'occasion des grandes expositions. Il renoue avec les interrogations que nous avons souhaité poser depuis notre ouverture dans le cadre des clés d'une passion. Ce premier symposium posait et s'interrogeait les questions des nouveaux enjeux des collections muséales, privées ou publiques, qu'il convenait et qu'il convient de redéfinir par rapport à l'ouverture internationale tout à fait inédite aujourd'hui, et aussi la virulence nouvelle du marché. Il posait la question qui fait désormais l'histoire de l'art. Le deuxième était centré sur la figure magistrale du collectionneur visionnaire Stoukine, qui avait ouvert les yeux de tous et notamment en premier des musées. Cette table ronde était conduite par Anne Baldessari et avait bénéficié de la participation de beaucoup de collègues, mais notamment nos collègues russes et notamment ceux du musée de l'Ermitage. Aujourd'hui, le troisième est consacré au modèle, aux réalisations et aux hypothèses diverses mises en place par les institutions les plus actives. Ceci se fait sur le mode de ce qu'a fait le MoMA, qui, compte tenu des nouvelles donnes mondiales, et je dois dire, poussé comme chacun de nous, d'abord et comme toujours, d'abord par les artistes, donc nous avons été mis dans l'obligation de réagir et d'opérer en conséquence. Maintenant, je vais vous laisser la parole. Permettez-moi toutefois de remercier au préalable les nombreux collaborateurs de la Fondation qui ont aidé à la mise en place de ces tables rondes. Et ma gratitude toute particulière va à mon collègue Olivier Michelon, qui a énormément œuvré à la réalisation de ce symposium, aidé notamment de Joachim Monnier, Lisa Delmas et Élise Blanc. Comme toujours, tout ceci s'est fait sous la tutelle attentive et bienveillante de Jean-Paul Clavery, conseiller du président Bernard Arnault, et que je tiens à saluer ici pour terminer. Voilà, à toi de jouer, Hans. Merci. Merci infiniment, Suzanne. Merci beaucoup à vous tous. Et évidemment, un grand merci à nos intervenants aujourd'hui. Et je tiens à remercier aussi Jean-Paul Clavery et, comme dit Suzanne, Olivier Michelin, Olivier qui a organisé tout ce débat avec la formidable équipe ici à la Fondation. Avant de présenter les intervenants d'aujourd'hui, et on va osciller entre
l'anglais et le français, ce colloque est une oscillation. Avant de ça, je voudrais juste dire deux ou trois mots. Tout d'abord, remercier Suzanne, non seulement pour son introduction, mais pour c'est beaucoup, beaucoup d'années de dialogue. Et je rappellerai toujours quand je suis arrivé en France en 91, pour la première fois, lors d'une de nos premières rencontres, Suzanne m'a invité. Pour moi, le monde des musées n'était pas familier. C'était vraiment mon premier contact zone avec le monde des musées. Suzanne m'a invité à, en fait, collaborer au catalogue de cette exposition extraordinaire de Giacometti qu'elle a organisée. La première chose, pour ainsi dire, que j'ai appris de Suzanne, c'est qu'il faut qu'un musée soit proche des artistes. Puisque Suzanne m'a expliqué, on ne peut que faire une exposition s'il y a un dialogue avec les artistes. Et ceci est vrai non seulement pour les expos contemporains, mais aussi pour les expos historiques. Et c'est l'exposition de Giacometti qui reste la plus magique qu'il ait jamais eue. Suzanne l'a réalisée avec l'artiste Rémi Tsaouk comme complice. Et pour ce tout premier travail que j'ai réalisé dans ma vie pour un musée, Suzanne m'avait demandé de visiter tous les artistes qui étaient encore vivants, qui ont connu Giacometti, donc Matta, Balthus, Cartier-Bresson, etc., ce qui aussi a constitué un tout petit peu le début, pour ainsi dire, de l'histoire orale que j'ai fait depuis. Évidemment, beaucoup de ces questions, on va les adresser aujourd'hui, cette idée, comme disait Panofsky, qu'on invente souvent le futur avec des fragments du passé, avec ce dialogue que le musée peut avoir entre le passé, le présent et le futur. Je me rappellerai aussi toujours de cette extraordinaire expérience qu'on a invitée quelques années après, avec Suzanne, l'artiste Carith Vin Evans, à venir au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et il a en fait découvert dans les archives que le musée avait une des plus grandes collections de Brian Gysin, a relancé tout un revival, non, de l'œuvre de Brian Gysin. Cet extraordinaire potentiel qu'a un musée de 107 cesse revisiter le passé à travers l'art du présent et du futur. L'idée du colloque aujourd'hui, comme disait Suzanne, qu'on va parler des collections et évidemment de ce grand thème qu'aujourd'hui on reconnaît qu'il n'y a pas un narratif, disons, unique d'histoire, mais qui a beaucoup de modernité et qu'en fait, il y a grande urgence à amener une plus grande diversité dans les collections. Et tant que se pose la question, quelle est la meilleure façon non seulement d'écrire le présent, mais aussi d'écrire et de réécrire le passé. Et dans tout ça, évidemment, par rapport à ces nombreuses modernités, reste une grande urgence à le protest contre l'oubli. Non, l'artiste, l'historien Eric Hobsbawm, qui était un ami à moi, il a toujours dit « We have to protest against forgetting ». Il faut protester contre l'oubli. Et si on pense qu'aujourd'hui, un artiste comme Ernest Manco Bannon, qui est un des grands artistes, disons, africains du XXe siècle, qui était faisait partie du Cobra, reste quasiment inconnu en Europe. Ce protest contre l'oubli n'a que commencé et il y a une grande nécessité à écrire ces différentes histoires. Et si on parle de cette diversité des histoires, il s'agirait aussi, et ça c'est une autre question qu'on va adresser, de parler des diversités d'accès et comment peut-on en fait créer un maximum de diversité d'accès. Autre thème qu'on va discuter est évidemment le thème du laboratoire. Alexander Dornau, le grand directeur du musée de Hanovre au début du XXe siècle, a écrit le musée et a décrit et écrit le musée comme laboratoire, comme une institution qui se auto-transforme et se posera la question dans ce colloque, comment peut-on réaliser cette vision dans le XXIe siècle. Et après, évidemment, la question de l'âge digital et comment une institution, un musée peut fonctionner à l'âge digital sera une autre question. Tout ceci, évidemment, se joue dans le contexte de la globalisation. Et là, comme dernier point, avant de donner la parole à notre premier intervenant, je voulais citer Édouard Glissant, que je lis chaque matin. C'est un peu un rituel que chaque matin, je lis un quart d'heure d'Édouard Glissant. C'est une boîte à outils et je pense une formidable boîte à outils, si on pense au musée du XXIe siècle. Glissant, qui est né à Martinique en 1928 et mort à Paris en 2011, était l'un des plus importants penseurs et philosophes de notre temps. Il nous enjoint à porter notre attention sur les moyens d'échange mondial qui n'homogénisent pas la culture, mais produisent une différence à partir de laquelle la nouveauté peut émerger. Et ce que Glissant a très tôt compris, c'est qu'en fait, nous ne vivons évidemment pas dans la première phase de globalisation. Il y a eu d'autres phases de globalisation
précédente, mais c'est sans doute la période de globalisation la plus extrême et peut-être aussi la plus violente. Et ceci amène beaucoup de dangers. Comme il a dit, ça peut amener justement cette homogénéisation et dans ce cas-là aussi disparition des différences et même une extinction, non, et disparition de beaucoup de langues, etc., etc. Donc Glissant disait, il faut résister cette homogénéisation, mais Glissant a compris aussi très tôt que la contre-réaction contre cette globalisation peut encore être pire et peut amener à des nouvelles formes de manque de tolérance, à des nouvelles formes de manque d'être ensemble, à des nouvelles formes de ne pas construire les ponts. Et donc c'est pour cette raison que Glissant a dit, il faut un troisième chemin que lui a appelé la mondialité. Et surtout, il a dit, il ne faut pas des institutions homogénéisantes, continentales, mais il faut des archipels. Et c'est comme ça que je voulais terminer ces brefs introductions, puisque évidemment, ça venait de la géographie des archipels antillais, qui est importante pour la pensée de Glissant. Et je vais le citer ici. Glissant dit, les archipels sont extrêmement importantes, car c'est dans ces îles-là, il parle évidemment des archipels américains, que l'idée de créolisation, c'est-à-dire de mélange de cultures, s'est réalisé à la façon la plus éblouissante. Les continents rejettent les mélanges, alors que la pensée de l'archipel permet de dire que ni l'identité de l'individu, ni l'identité collective se sont figées et établies une fois pour toutes. Et là, la conclusion, je cite de nouveau Glissant, « Je peux changer dans l'échange avec l'autre sans me renier ou diluer le sentiment que j'ai de moi-même. C'est la pensée de l'archipel qui nous l'enseigne. » Et c'est à travers l'archipel et Glissant, je voulais donc présenter notre première intervenant, Maria Balchor. Je suis très très heureux que Maria soit avec nous aujourd'hui. Elle a succédé à Sœur Nicolas Serrotin comme directrice de la TET le 1er juin 2017. Auparavant, elle était directrice du Witwas à l'Université de Manchester et aussi de la Manchester City Gallery qu'elle a totalement transformée avec une nouvelle architecture et connexion au parc, une vraie stratégie urbaniste formidable. Donc, un très, très chaleureux bienvenue à Maria Balchor. Thank you, Hans Ulrich. It's lovely to hear you talk about Glissant. As ever. Quel plaisir, and comme toujours, we were asked que vous citiez to talk about the past as well as the future of our institutions and set out a polemic de nos institutions. That is a lot. So I thought I would go de lancer une controverse en simplement 10 minutes. Vaste programme, comme dirait De Gaulle. La TET fut établie It was established through the dogged will of a private philanthropist, grâce à un philanthrope privé. Têtu, un baron du sucre, Alfred Tate. Il ne voyait pas l'intérêt d'avoir un musée national des arts britanniques. Et le site d'origine, c'était une prison, conçue selon certains principes. La prison a été démolie, remplacée par une galerie, au cours de la première moitié du XXe siècle, et Tate a eu du mal à appréhender l'art moderne. Il lui a fallu 30 ans avant d'accueillir Picasso. Et comme de nombreuses grandes collections nationales, on a énormément de belles choses dans nos collections, mais il y a des absences assez flagrantes. La galerie a été bombardée au cours des guerres mondiales, beaucoup de dégâts, mais les collections voyagent. Et des femmes ont travaillé dans ce musée au cours de la guerre. Ce qui était bien dommage, c'est qu'on y a mis fin lorsque les hommes sont rentrés de la guerre. Fin du XXe siècle, accélération de l'intérêt, toujours plus d'influence de la Tate. Dans les années 80, c'est grâce à la générosité de la famille de Field qui a établi un véritable foyer pour cette collection. Et c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Ce n'est pas simplement un musée d'art moderne ou contemporain, c'est également le foyer de 500 ans d'art britannique. Expansion par la suite, les bâtiments,
ont été élargis, mais la conversation, le débat s'est également élargi. Que doit faire, que peut faire un musée de cette envergure? Donc, des antennes ont été construites à Liverpool, car c'est de là que venait Alfred Tate. Et conversion de la station hydroélectrique, c'était le plus gros changement. L'araignée a eu son impact dans le monde, pas seulement dans ce site artistique. Et c'est une exploration qui s'est poursuivie par la suite. La première incarnation a eu 4 fois plus de succès qu'on pouvait s'y attendre. Et donc, la Tate moderne, deuxième version, a été créée avec le soutien du secteur privé. La Tate, au fur et à mesure, a raconté une histoire toujours différente, avec une interconnexion toujours plus interconnectée entre les artistes modernes et contemporains. Mais quelle est l'étape suivante? En tout cas, pendant un certain temps, il n'y aura pas de bâtiments supplémentaires. Mais voici quels sont les défis qui, à mon avis, nous font face. On souhaite faire preuve d'aventure. On souhaite faire preuve d'esprit d'aventure du point de vue artistique, avec une collaboration internationale, avec nos partenaires, une réputation mondiale. Et on veut pouvoir voyager dans le monde entier et faire voyager nos expositions. Mais il faut quand même un ancrage, une pertinence locale sur nos différents sites. Cette histoire n'a rien de nouveau pour la Tate, mais c'est une vision qui rend explicite notre intention. On veut connecter les grands artistes à leur public lorsque nous estimons que leurs œuvres sont pertinentes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont ce musée peut changer le monde, car c'est la question que l'on pose à nos visiteurs. Nos publics doivent réfléchir toujours plus à l'environnement urbain dans lequel ils évoluent. Vous voyez cette œuvre d'art? Eh bien, cela rappelle les turbines. Et la turbine que représentent nos rencontres sociales avec nos amis, les gens qu'on rencontre, etc. Mais cela fait partie du paysage urbain. On est ouvert sur la ville. Ce Turbine Hall, c'est un peu comme une rue, mais à l'intérieur d'un bâtiment. C'est un endroit où les gens viennent, ils ont des choses à faire, ils sont à l'aise avec eux-mêmes. L'artiste estime que le public, c'est la source d'énergie dans cette turbine artistique. Nous vivons à une époque où, en Europe et notamment au Royaume-Uni, n'oublions pas le signal effrayant du Brexit, on s'aperçoit qu'il y a toujours plus de disparités et ça nous rappelle les conséquences des inégalités sociales et économiques. Et moi, je dirais qu'on a absolument besoin de sérieux politiques et de cultiver non seulement la joie, mais également l'action. Le vendredi soir, à la Tate moderne, on rencontre un public dynamique. Il y a des plateformes qui se montent dans nos espaces. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas que l'événementiel. D'ailleurs, je regarde d'un œil suspect cette culture menée par l'événementiel. Je pense qu'il faut accueillir toujours plus de personnes, que les gens puissent avoir accès à l'art et puissent en profiter. Et la façon dont on jouit de l'art, dont on en profite, est très différente d'une personne à une autre. Il peut y avoir beaucoup d'activités, beaucoup de dynamisme, ou alors on a plus besoin de réflexion et de s'asseoir tranquillement devant un tableau, dans le silence. Et peut-être qu'on est rendu à la moitié du chemin. Peut-être que la Tate est à la moitié du chemin. Je pense qu'on a une responsabilité éthique. La pertinence est importante. Il faut assurer une connexion avec nos différents publics, nos visiteurs dans le monde entier. Et moi, je veux m'assurer
qu'un maximum de personnes trouvent leur propre lien, leur propre relation aux œuvres et aux artistes que nous mettons en exergue. Mais je pense qu'il reste un long chemin à parcourir et je m'inquiète du fait que d'autres musées ne semblent pas s'inquiéter du fait que 50% de la population environnante estime que les musées, ça ne les concerne pas. Pour moi, la priorité, c'est la pertinence actuelle et future. Et je terminerai là-dessus. Nous avons une expo, Queer British Art, une exposition récente. Et vous voyez ici un portrait d'Oscar Wilde. Et à côté, une porte de prison, la porte d'une prison où il a été incarcéré parce qu'il était homosexuel. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est les travaux de Nina Simone sur la pertinence. Il est important de mettre la clé dans la porte et d'ouvrir la porte. Pendant trop longtemps, on ne vous a pas montré le trou de la serrure. À mon avis, ce n'est pas qu'on doive dire au public ce qu'ils doivent penser, mais on a quand même une obligation sociale d'éclaircir les choses. Où se trouvent les clés pour que les gens puissent déverrouiller leurs propres portes et accéder à leur propre pertinence? Et l'art britannique doit jouer ce rôle. Il y a un gisement de public dans lequel on doit puiser. On a eu des études de cas concernant l'émancipation de cette relation qui unit l'artiste avec le passé. Et cela correspond en 67 à la dépénalisation de l'homosexualité. 56% du public estime, ou plutôt ce signal se présente comme étant LGBT. Commentaire. On a reçu énormément de commentaires. On a invité le public à partager avec nous leurs idées. Et donc l'un de ces commentaires disait tout simplement, je cite, « À mon avis, je peux maintenant faire mon coming out. » Fin de citation. Ce qu'il nous faut, c'est jeter des passerelles et construire sur la base de cette ouverture. Merci. Thank you so much, Maria. It's now my merci beaucoup, Maria Balchaud. Je vais donc maintenant présenter Bernard Blisten, qui dirige le musée d'art moderne CCI au Centre Pompidou. Il a été directeur du développement culturel de 2008 à 2013 et il dirige actuellement le musée national d'art moderne depuis 2013. Il a créé un nouveau festival. C'est toujours la question, effectivement, de l'art vivant et comment la vie même peut rentrer dans les collections. Et Bernard a été précédemment directeur des musées de Marseille de 1990 à 1996. Et là, il a aussi fondé donc, le musée d'art contemporain de Marseille. Voilà. Merci d'accueillir chaleureusement Bernard Blisten. La règle du jeu fait que je parlerai en français. Je voudrais commencer ce petit discours en saluant deux personnes. L'une qui nous manque et qui vient de disparaître, Kenniston McShine. Il fut certainement l'une des grandes figures, cher Glenn, du Museum of Modern Art de New York. Je crois que nous devons penser à lui aujourd'hui. Et puis une autre personne qui n'est pas avec nous, que j'aimerais voir avec nous, car je crois que de fait elle a beaucoup de choses à dire sur ce que nous devons partager aujourd'hui, qui est évidemment Okoyeng Wesor, que je salue aussi et qui bien évidemment est, comme vous le savez, l'une des figures qui nous a fait réfléchir justement au musée dans cette époque de la globalisation. Tu citais Édouard Glissant et moi je voudrais commencer par citer, c'est confortable de citer, vous savez, les gens disent les choses mieux que vous ne les dites vous-même. Je voudrais commencer par citer le grand sociologue indien Arjuna Appadurai. Je rends compte ici d'un
d'une conversation que j'ai pu avoir avec lui, je rends compte aussi d'un extraordinaire livre qu'il a publié récemment. À Padurai, en substance, dit ceci. Né dans un cadre étroitement national et longtemps porté par la politique prédatrice des conquêtes militaires et coloniales, les musées aujourd'hui se découvrent, ou plutôt se redécouvrent, universels. Il ne s'agit évidemment plus, dans un monde globalisé, d'élire et d'imposer une forme de beau. Il s'agit d'inventorier tout ce qui a échappé à l'appréciation de nos prédécesseurs et de deviner ce dont s'émerveilleront nos héritiers, soit, à la limite, de tout inventorier. Car Peggy le notait déjà dans Clio, le propre des modernes est de vouloir se regarder avec les yeux de la postérité. L'inventaire infini du patrimoine dans lequel nos sociétés sont engagées est une entreprise vertigineuse et par définition absurde. Il y a là, je crois, de quoi méditer dès lors que, comme on nous le demande, il nous faut réfléchir, entre autres en termes de patrimoine, au musée d'art moderne et contemporain de demain. La toute première partie de mon petit exposé consistera, je dirais, en un bref état des lieux concret quant justement à l'état des lieux du Centre Pompidou. Comme vous le savez, le Centre Pompidou est un musée pluridisciplinaire et globalisé. Merci à Dominique Bozo d'avoir étendu la collection sur un modèle, somme toute comparable à celui du MoMA, et d'avoir compris qu'il fallait développer une collection d'architecture et de design et en faire de fait le musée de toutes les disciplines. Le bâtiment fondateur, c'est évidemment Paris, et comme vous le savez, l'actualité vient d'en rendre compte, outre bien évidemment Metz, ce projet régional, ce projet de décentralisation, nous avons ouvert et allons ouvrir trois institutions. La première à Malaga, comme un petit laboratoire, comme un test, si vous voulez, dans le sud de l'Espagne, mon cher Manolo. Puis, dans quelques temps, vous le savez, une implantation européenne à Bruxelles, puis une autre au cœur d'un monde globalisé à Shanghai. Quelques images pour vous rappeler, si vous voulez, cette réalité. Le projet de Shigeru Ban, bien évidemment, à Metz. Le projet de réhabilitation du bâtiment de Malaga par Daniel Buren. Le futur bâtiment canal, dont nous ferons une préfiguration le 5 mai 2018 à Bruxelles, et le plan du bâtiment que David Chipperfield prépare donc pour une ouverture en 2019 à Shanghai. Tout cela doit nous conduire évidemment à réfléchir, car il ne s'agit de fait, et c'est bien là, je dirais, le défi, non pas simplement d'une marque à diffuser, mais bien évidemment de modèles spécifiques à tenter de développer. La collection du Centre Pompidou, on le sait, est aujourd'hui une collection gigantesque, quelques 120 000 œuvres, dont nous ne montrons, somme toute, que 5% de la collection. C'est un patrimoine incessible et imprescriptible, à la différence du patrimoine d'autres institutions, à commencer bien évidemment par celui de certaines institutions américaines. Et je tiens, pour ma part, à affirmer combien cette dimension d'un patrimoine incessible et imprescriptible est absolument fondamentale, car un musée, et c'est bien là finalement le danger qui menace, ne doit pas tendre à cette collection idéale qui n'existe pas, mais doit fondamentalement se construire de sa singularité, de ses contextes, de ses erreurs et d'une certaine façon de ce qui, au fil de ceux qui l'ont fait, témoigne d'une histoire qui est l'histoire même dans laquelle il s'est évidemment élaboré.
De ce point de vue, je crois qu'il y a là évidemment quelque chose absolument à méditer, et il serait évidemment ridicule de voir les musées s'homogénéiser, de voir les musées répondre à une définition qu'il faut de fait dédéfinir, qui serait celle de l'art moderne. Car de fait, nous le disons tous, il nous faut nous décentrer, il nous faut repenser le modèle initial, mais nous sommes tous face à une réalité qui est fondamentalement celle de l'histoire dans laquelle l'institution s'est constituée. Le Musée national d'art moderne au Centre Pompidou, et vous savez l'ambiguïté même qui réside entre ce musée national d'art moderne, constitué par Jean Cassou dans l'immédiate après-guerre, et la position même du musée national d'art moderne au sein du Centre Pompidou, Centre Pompidou qui, dans l'extraordinaire inventivité du bâtiment, l'a propulsé dans une toute autre dimension. Le musée national d'art moderne, c'est une collection couvrant la période allant de 1905 à aujourd'hui. On sait combien ces divisions, ces classifications sont arbitraires. On sait combien, dans cette logique qui fut celle de l'enchaînement, la date de 1905 convient quelque part à définir quelque chose, mais combien, de fait, dans un tout autre contexte, elle ne résonne pas de la même façon. Il faut essayer d'installer dans le musée d'aujourd'hui, outre une histoire de l'art moderne, mais des récits à la fois plurivoques. Il faut aussi, à l'intérieur du musée, et c'est bien l'ambiguïté sur laquelle Michel Foucault nous avait conduit à réfléchir, travailler cette histoire des présents. Pour ce faire, il ne me faut pas construire le musée dans une sorte de logique de seul enchaînement. Il faudrait davantage le construire par séquence. Il faudrait davantage élaborer ce qu'en anglais on appelle « a step on the side », des pas de côté, et faire en sorte que, face à la trame narrative, nous puissions toujours, à l'intérieur même de l'institution, développer différentes temporalités. Je songe à Godard traversant la Grande Galerie du Louvre en 7 minutes, et je me dis combien il faut opposer à cette linéarité des expositions dossiers et en même temps la capacité d'inventer une réalité prospective. Traverser les collections du Musée national d'art moderne, c'est évidemment trouver ces grands ensembles qui les constituent, ici par exemple du cubisme, ou plus près de nous aujourd'hui, essayer de mettre en évidence la complexité même de la modernité. C'est traverser et réévaluer évidemment des moments que, nous le savons, nous avons nous-mêmes ignoré, INSI, une salle support surface. Et il reste tout à fait singulier de remarquer que c'est toujours à l'aune d'autres pays, d'autres cultures, que nous nous trouvons, nous, en France, à reconsidérer des mouvements qui ont fait notre histoire. Mais c'est aussi donner, à travers des œuvres exemplaires, la possibilité même d'étudier et de poser, en fait, fondamentalement la relation de l'art à son public. Ici, l'environnement de Mike Kelly et de Tony Hursler que Catherine David avait commandé à l'occasion de sa documenta. Pour ce faire, j'ai voulu proposer au Musée national d'art moderne ce que nous appelons des salles dossiers. Ces pas de côté consistent à creuser la collection à l'aune de ceux qui y font réfléchir. Nous avons appelé des passeurs ces grands historiens de l'art ou ces grands critiques qui, à un moment donné, au mépris même des classifications institutionnelles, sont allés chercher dans des œuvres la possibilité de déconstruire la narration traditionnelle. Ici Georges Dutuy en passeur, ici encore Georges Dutuy où Matisse se combine à Sam Francis, où Riopel est convoqué, comme pourraient l'être bien évidemment des artistes venant des écoles orientales qui l'intéressaient. Ici Apollinaire, qui fut somme toute quand même le premier à considérer avec intelligence à la fois le rôle des arts africains dans la constitution même de la modernité. D'autres salles ici, où au-delà même des générations et au-delà des écoles, Apollinaire fut somme toute l'un des tout premiers poètes. Et j'insiste fondamentalement sur l'idée du poète. Nous pourrions le faire d'ailleurs avec l'un des plus grands artistes de la deuxième moitié du XXe siècle, qui est Marcel Brotars, où la notion de poésie
vie et de politique s'allier justement pour déconstruire le récit obligé de l'histoire. Ici, Oswald de Andrade, pour faire ce pas de côté et comprendre justement comment se constitue une critique fondamentale, dans sa complicité d'ailleurs avec Blaise Cendrars, de ce grand récit moderne et combien certains artistes sont à remettre dans une perspective où ce n'est pas tant nous qui devons mettre en avant ceux à partir desquels ils ont pensé, mais eux qui doivent nous obliger à décentrer justement notre regard. Ici, dans un brassage des disciplines, Carola Gédion et Siegfried Gédion, où d'un côté, on pense le modèle architectural dans sa dimension critique pour déconstruire le primat de la notion même de beaux-arts. Ici, le grand Michel Ragon, peut-être l'un des derniers grands critiques vivants aujourd'hui, qui n'a pas hésité à tenter une histoire justement qui aille au-delà des classifications obligées. J'ai voulu, à travers l'ensemble de ces salles, creuser l'histoire. J'ai voulu tenter de mettre en perspective autre chose que cette narration qui nous conduisait à ce que Thierry Deduve appelait la nécessité d'enchaîner. Lorsque, de fait, nous rendons hommage à Pierre Restany, nous montrons la complexité même d'une histoire qui se constitue à partir d'un regard sur la peinture pour ensuite inventer un mouvement en allant amalgamer à ce mouvement des artistes qui, de Raymond Hens à beaucoup d'autres, vont constituer, vous le savez, le corps du nouveau réalisme. Puis, il fallait aussi, à travers cette collection, la collection qui doit fondamentalement rester, et je le dis à Suzanne qui le sait mieux que quiconque, un outil absolument extraordinaire. Nous avons inventé aussi différentes expositions autour de ce que nous avons appelé politique de l'art. Dans cette époque médiocre dans laquelle nous vivons, Hubu Roy était bien sans doute l'une des premières figures dérisoires qu'il fallait convoquer pour penser le présent. Nous l'avons fait aussi autour du modèle de l'architecture soviétique. Je disais tout à l'heure à Mikhail Piotrowski combien il était fondamental de reconsidérer justement le rapport que nous avons à certains modèles dominants. Nous l'avons fait autour de la factographie où justement les disciplines s'entrecroisent, où les médiums, comme entre autres la diffusion par la photographie et le photomontage, ouvre des perspectives fondamentales. Nous l'avons fait en testant avec une architecture se confrontant au fascisme, Adalberto Libera. Nous trouvions justement la possibilité d'explorer le conflit intellectuel qui existe entre le modernisme et le fascisme italien. Nous l'avons fait comme en contrepoint autour du réalisme socialiste et autour de cette imagerie qui nous apparaît dérisoire lorsque nous entrevoyons dans une image Staline aux côtés de Waldeck Rocher allant se guérir de je ne sais quelle blessure en URSS dans les années 1950. Nous l'avons fait aussi en allant bien au-delà de ceux qui voulaient être au musée, car de fait, l'art existe aussi en dépit et aux dépens du musée, à travers, de fait, l'international situationniste. Il nous faut méditer sur le fait que le musée attrape tout, que l'art contemporain, dans sa nature propre, peut être libéral, est fondamentalement lié à cette idée de tout indexer, de tout recycler. Mais nous ne pouvons jamais oublier que l'art se fait aussi au-delà, physiquement et intellectuellement, du musée qui ne saurait tout faire, qui ne saurait tout dire, qui ne saurait avoir cette prétention, cet orgueil même à tout vouloir signifier. Puis il me paraissait fondamental d'ouvrir à d'autres disciplines. Pourquoi ? Parce que de fait, penser l'art aujourd'hui, c'est penser son rapport à cette heuristique qui a fait l'art moderne et contemporain. La musique, le son, dont nous constituons aujourd'hui de grands ensembles. Il fallait retourner aux soirées de Paris pour montrer combien tout cela n'était pas une histoire, je dirais, simplement actuelle. Il fallait le montrer à travers la beauté d'indifférence des relations entre Marcel Duchamp
et un artiste comme John Cage, il fallait montrer combien les artistes sont justement des passeurs. Quand on voit Dubuffet et la musique, on comprend combien, avec Jorn et avec beaucoup d'autres, c'est quelque chose qui bouscule en quelque sorte à la fois la perception que nous avons de Dubuffet et à la fois la manière de Dubuffet de penser notre monde d'aujourd'hui. Puis il fallait aller du côté des partitions, l'art est partitif, vous le voyez ici à travers différentes œuvres, comme entre autres avec George Brecht, dont on sait bien combien il aura été une figure absolument fondamentale, capable justement d'inventer à travers son travail quelque chose que Gérard Genette n'aurait évidemment pas démenti dans son rapport justement à la notion même de partition. Dans ce musée globalisé, je voulais aussi mettre en évidence, avant que de donner quelques autres références, trois exemples, car je crois qu'il faut ici aussi être concret, qu'il ne faut pas simplement lancer de grandes idées dont on sait pertinemment qu'elles seraient de la seule bien-pensance. Et dans ce monde globalisé, je voulais rappeler que nous avons tenté d'ouvrir le musée à d'autres perspectives. Il nous fallait, par exemple, retourner sur ce moment que fut le surréalisme en Égypte, pour bien comprendre que les relations qui se sont établies entre Breton, critique d'ailleurs par mille aspects, et le surréalisme dans sa singularité étaient évidemment importantes. Le surréalisme, voyez-vous, c'est un paradigme. Et la manière dont le pensent en Égypte différents intellectuels, pour le porter justement en France, n'a rien à voir avec l'idée même du surréalisme tel que nous le savons avec Breton. Il fallait justement, à travers ce mouvement Art et Liberté, mettre en perspective le musée pour produire ce que j'évoquais tout à l'heure, ce décentrement. Mais ce décentrement, il fallait aussi, et c'est un deuxième exemple que je veux vous donner ici, le faire en montrant que la dimension de l'expérience, voire du laboratoire, n'était pas une dimension perdue. Il fut un temps où, au centre Pompidou, il y avait un centre de création industrielle. Ce centre a quelque part dépéri et nous avons pensé qu'il fallait le réinventer à travers des expositions prototypales. Et cette première édition que nous avons appelée « Imprimer le monde » et que nous répétons désormais chaque année nous permet de réfléchir aux mutations et aux créations telles qu'elles se développent aujourd'hui. En haut, une timeline qui vous montre combien la notion même d'impression du monde est absolument fondamentale dans le développement de l'art numérique aujourd'hui. Nous travaillons à des projets dont un prochain ouvrira prochainement autour du codage. Comment coder le monde à travers différentes mythologies nées dans cette après-guerre, inventer des modèles de création singuliers. Nous le ferons aussi à travers l'intelligence artificielle et ce qu'elle développe dans les années 2000 à 2020. Un troisième exemple, c'est celui que je voulais vous donner d'un rendez-vous que nous avons proposé à l'artiste Éric Baudelaire. Comment, sur le modèle Hans Ulrich du nouveau festival que nous avions créé il y a quelques années, l'espace du musée peut devenir un espace réflexif? Comment la question même du temps, et non pas simplement de l'espace, peut s'imposer à l'intérieur même de l'institution muséale? Comment l'artiste, et fondamentalement l'artiste, au mépris des cloisonnements qui sont les nôtres, peut aller chercher, ici sur le modèle de l'abécédaire de Deleuze, une manière de défaire et de remettre en perspective le rapport de l'art et justement du politique? Il y a là, voyez-vous, quelques exemples pour moi, qui sont absolument essentiels. Il ne s'agit pas de dire que nécessité fait loi, et il ne s'agit pas de dire que le centre Pompidou ira là à Bruxelles, là à Shanghai, simplement pour présenter ses collections. Il s'agit de comprendre qu'il y a un enjeu beaucoup plus important, qui est celui de penser les choses hors du cadre. Après tout, le musée est un cadre, pour en quelque sorte aussi réinventer d'autres lignes de force, d'autres lignes de perspective. Alors, le musée dans 20 ans, quel serait-il? Ce sont toujours des hypothèses, car nous savons que nous sommes tous toujours rattrapés par la réalité. Sans doute, tel que nous l'envisageons, un dispositif, mais aussi un centre de ressources.
un dispositif à échelle variable. Tu disais, citant Glissant, un archipel. Je dais peut-être, citant Sloterdijk, une constellation. Le musée serait aussi, et c'est fondamental, non pas simplement le musée des collections, mais peut-être aussi le musée sans collection. Ni Malaga, ni Metz, ni Shanghai, de façon concrète, n'ont vocation à constituer des collections, mais à travailler fondamentalement à partir de ces collections et à travailler l'histoire sur un mode qui est fondamentalement aussi un mode d'éducation. Oui, je n'ai pas peur de dire que la question de l'éducation est au cœur de la mission des musées. Préserver les cahiers du Musée national d'art moderne, et croyez-moi que c'est difficile et que la bataille est quasi hebdomadaire, préserver les cahiers du Musée national d'art moderne, inventer une école, comme nous venons de le faire, sont des enjeux absolument fondamentaux. La question de l'art doit être évidemment soumise à la question du jugement. Il y a le temps long, il y a le temps court. Je voudrais que le musée reste aussi, au-delà même de la dimension expérimentale, l'espace du temps court. Et puisque nous avons commencé avec Glissant, je me suis permis de continuer avec Apadurai, je voudrais en appeler à un vieux philosophe qui me semble, parce qu'il a développé son œuvre au cœur des Lumières, tout à fait d'actualité, qui s'appelle Hegel, vous le savez, c'est un type qui a fait des choses de très grande qualité, et dans sa Phénoménologie de l'esprit, qui a été rédigée, c'est intéressant, en 1807, c'est-à-dire dans les dernières années où Hegel travaillait sur la notion de savoir absolu, il écrit, et c'est absolument bouleversant, « L'histoire est le devenir qui s'actualise dans le savoir, le devenir se médiatisant soi-même, l'esprit aliéné dans le temps. Ce devenir présente un mouvement lent et une succession d'esprits, une galerie d'images, eine Galerie von Bildern, hein, comme on dit en allemand, dont chacune est ornée de toute la richesse de l'esprit. Et elle se meut justement avec tant de lenteur parce que le soi doit pénétrer et assimiler toute cette richesse de la substance. Parce que la perfection de l'esprit consiste à savoir intégralement ce qu'il est, sa substance, ce savoir est alors sa concentration en soi-même, dans laquelle l'esprit abandonne son être-là et en confie la figure au souvenir. » Dans ce texte absolument extraordinaire, le musée pour Hegel est un acte de mémoire, une recollection de souvenirs, dit Erinnerung, comme on dit en allemand, grâce à laquelle l'esprit, se reconnaissant en son histoire, en ses années d'apprentissage, ou Bildung, apprend à se connaître lui-même et s'élève ainsi à la conscience de lui-même. Le musée est donc réflexion sur son passé par l'esprit qui s'assimile ainsi son histoire et y découvre sa véritable identité. On comprend ainsi que le musée n'est pas un simple magasin, n'est pas un lieu neutre où l'on accumule les œuvres de l'art. Il définit, et c'est véritablement ce que doit être notre but, en le réfléchissant, ce qui a la dignité de l'art. Et le Duchampien que je suis, c'est véritablement là de quoi il parle. Il est réflexion par l'esprit sur son passé, reconnaissance des figures en lesquelles s'exprime, dirait Hegel, sa substance. Il n'est donc pas un simple dépôt, mais un acte de réflexion par lequel l'art parvient à la conscience de lui-même. Le musée n'emmagasine pas les œuvres d'art, il forme et transforme le regard que nous jetons sur elles. Il apprend à voir. C'est ainsi, je crois, que le musée apparaît à nos yeux aujourd'hui, à la fois, et peut-être de façon contradictoire, comme effectivement une leçon d'histoire de l'art, donc un document historique, et comme le lieu presque magique d'une rencontre presque bouleversante, le laboratoire imaginaire de l'expérience esthétique. L'œuvre d'art semble désormais partagée entre sa valeur scientifique et documentaire
et sa valeur esthétique et subjective qu'il convient fondamentalement de lui préserver. Merci. Thank you so much, Bernard. It's my immense pleasure to now introduce our next speaker, Thelma Golden, director and chief curator of the Studio Museum in Harlem since 2005, after having been its deputy director for exhibitions and programs. And of course, Thelma's first curatorial position was at the very Studio Museum in Harlem. Du Studio Museum à Harlem. Elle a été précédemment donc conservatrice au Whitney Museum. Elle avait donc fait une exposition qui a marqué, qui était donc la représentation de la masculinité de l'homme noir dans les œuvres d'art. Donc, tellement donc est actuellement en train de travailler à une extension du musée du Studio Museum in Harlem. Donc, good morning. It's wonderful to be here. And when considering this question, what will tomorrow's Museum of Modern and Contemporary Art be? It is within the frame and the context for me of thinking about the Studio Museum in Harlem, our past, our very recent past, as well as our future as we embark on this expansion. But it also seems appropriate to be speaking about this in the context of this exhibition of the Collection of Museum of Modern Art. I'm beginning with an image du Musée d'Art Moderne et je commence par cette photo du Studio Museum avec le drapeau afro-américain de David Ammons et c'est une tentative de situer le bâtiment dans le quartier de Harlem au XXIe siècle dans le cadre de son rôle institutionnel, son rôle muséal d'une part, mais également une source de culture afro-américaine dans la culture américaine. Donc, une œuvre des années 70 de Romare Bearden, basée sur les aspirations initiales. Au départ, l'objectif était de s'auto-comprendre dans le cadre du modernisme, mais également de se définir dans le cadre de l'expérience, sur la base de l'expérience de la culture afro-américaine. Le Studio Museum a été fondé en 68, donc ouverture officielle, mais le projet a démarré en 1964. C'était une idée radicale de la part de différents artistes, administrateurs, meneurs des droits civils, philanthropes et bienfaiteurs. L'objectif était d'installer un musée dans le quartier de Harlem. C'était un geste radical à l'époque. La communauté, la collectivité souffrait d'inégalités économiques, d'une criminalité galopante, beaucoup de toxicomanie, etc. Mais par le biais de l'art et de la culture, il y avait des tentatives de réinventer un avenir. C'est à cette période et dans ce contexte que nous souhaitons faire appel à deux notions. Alors, au départ, la relation était réelle entre le Musée d'Art Moderne et le Studio Museum. Il était important de faire venir l'art, de faire venir la culture, et c'était grâce aux efforts déployés par les membres du Conseil junior du Musée d'Art Moderne et avec ce groupe de militants d'artistes, le quartier de Harlem a pu avoir accès à ses collections. C'est Frank O'Hara, le poète, qui était commissaire du Musée d'Art Moderne à l'époque, et Frank Donnelly également. Et c'est grâce à eux que ça a été possible. Donc, au cours des années 60, 65, 66, 67, c'était là le début de certaines idées. On voyait le Studio Museum comme une réaction et un refus de ces certaines idées, de certains idéaux. Le Studio Museum s'est formé en lien avec la communauté muséale de New York. Un comité s'est formé pour monter le musée de Harlem. Et c'était intéressant que figure dans le titre à la fois le nom de Harlem et le terme de musée, parce qu'il fallait un ancrage local. Et puis, le concept de musée, c'est un sens qui correspondait exactement à ce qu'imaginaient nos fondateurs, ce qu'ils voulaient recréer, ce qu'ils voulaient inventer.
inventé. Et à l'époque, les fondateurs déjà envisageaient le musée de l'avenir, de ce qu'il pouvait devenir. Et c'est là qu'est née cette idée du Studio Museum à Harlem. Donc, une œuvre de Glenn Ligon qui remonte à 2007. C'est la deuxième expérience après le drapeau de David Hammons. C'est la deuxième chose que l'on voit lorsqu'on arrive au Studio Museum. Et on peut citer l'humanitaire et athlète Mohamed Ali. Donnez-nous un poème. Donc, le palindrome numéro 2, c'est la deuxième œuvre que l'on voit à l'entrée du musée. Ça se fondait sur l'idée d'une collection, parce que lorsqu'on lance une collection, on monte une résistance, on résiste à l'exclusion des œuvres d'artistes afro-américains. Et l'objectif est également de collectionner pour créer un récit alternatif, réécrire l'histoire de l'art sur la base de la contribution des afros, des artistes afro-américains. Donc, sélection d'œuvres émanant de notre collection, cela va de Joshua Johnson, ça remonte à 1804, et jusqu'au XXIe siècle. Dans le cadre de notre collection, il me semble qu'il y a une façon de comprendre la façon dont le Studio Museum se comprenait lui-même. L'acte même de collectionner consistait à définir non seulement l'espace muséal, mais également de s'imprimer, de s'inscrire en tant que musée dans un espace non muséal, car le musée occupait un bâtiment abandonné. Et ce changement radical a consisté à transformer cet espace inutilisé en véritable musée. Donc un ancrage culturel, un ancrage dans la communauté, un ancrage local, des intentions du musée. Donc une œuvre de Bill Traylor sans titre, l'importance du travail autodidacte dans le contexte afro-américain. Et ici, Bonfire, le feu de joie, une œuvre de 1962 de Norman Lewis, qui nous vient de la succession de Norman Lewis, après le décès de l'artiste et à l'époque, avant que ses œuvres ne trouvent leur place dans le canon artistique américain. On constate un énorme corpus d'œuvres de Norman Lewis qui a été légué au musée par la famille de l'artiste en espérant que nous pourrions mieux le diffuser dans le contexte de sa contribution à l'expressionnisme abstrait. Donc, Barclay Hendricks, Lodi Mama, une œuvre de 1969, c'était la première grande exposition de cet artiste. Il était important de collectionner et de présenter en même temps afin de créer un récit concernant les efforts déployés pour le musée pour altérer, modifier la nature du musée dans le cadre artistique. Beaufort Delaney a fait une expo en 1977. Et lors de son décès à Paris, l'œuvre était encore exposée. A été exposée pendant une trentaine d'années. Et les travaux autour de cet artiste s'est fait dans le cadre de différents contextes institutionnels. Donc un nouvel artiste qui a vraiment redéfini le sentiment du soi, de l'esthétique, de l'art dans les années 70. Donc formation d'un dialogue intellectuel au sein du musée. Et cela a précédé la façon dont ce dialogue pourrait se produire dans le monde de l'art. Howard Dean Tindall, pratique artistique active, elle est également commissaire d'exposition au Musée d'art moderne, donc Free, White et 21, une œuvre de 1981, une autre œuvre de Romare Bearden, Prélude à l'adieu, dans le monde artistique généraliste, entre guillemets. On a également porté attention à ces œuvres, mais il était important d'avoir un espace qui s'auto-définirait, un espace institutionnel où les idéaux politiques, esthétiques, intellectuels pourraient constituer la base d'un récit,
un récit fait d'art et de culture. Donc, on passe aux années 90, Elisabeth Catlett, Glenn Ligon, Wenge Shimutu, Julie Meritu, ces différents artistes se sont formés pour faire passer un message et créer l'existence d'une idée. L'idée d'un musée qui ne serait pas seulement un gisement ou un espace de stockage, mais un catalyse d'idées qui représentent les artistes et qui peuvent avoir une incidence non seulement locale sur la collectivité, la communauté de Harlem, mais également dans le monde entier. Donc, Nideka Akinyel-Crosby, une œuvre de 2012, ça fait partie du programme de résidence. Au moment de la fondation, William T. Williams, l'artiste, a imaginé que le musée pouvait jouer un rôle singulier. Non seulement il s'agissait de présenter des œuvres d'art, mais également de fabriquer l'art. Et donc le musée fournissait un espace de création aux artistes eux-mêmes. Et ces artistes, donc trois artistes en résidence, chaque année, auraient accès au temps, au soutien financier et à l'espace nécessaire pour travailler. Et ça fait partie de notre programme de résidence jusqu'en 2012. Et c'est également une extension radicale de cette idée selon laquelle notre musée, dès le départ, se comprenait lui-même comme une institution consacrée aux travaux des artistes afro-américains. Mais de façon très radicale, en 2004, notre mission a changé. Maintenant, nous sommes un musée d'Asie, un musée qui se consacre aux travaux d'artistes d'origine africaine. Donc un ancrage local et un investissement très approfondi dans l'histoire de la culture afro-américaine, tout en accueillant l'idée d'une présence africaine dans le monde entier. D'autres œuvres émanant de notre collection, des œuvres d'artistes toujours vivants, Zanele Muroli, artiste sud-africaine, et encore une fois, c'est la toute nouvelle avenue que nous explorons, un projet collectif qui se concentre sur l'Afrique du XXe et XXIe siècle. C'est une extension importante de l'histoire du studio Museum, et ce, dès sa fondation. Donc, une œuvre de Jordan Castile, qui remonte à 2016, Glassman Michael, et ça nous ramène au lien très fort qui existe entre le musée et son environnement, sa collectivité. Donc, le musée de l'avenir, à quoi ressemblerait-il? Eh bien, on a longtemps réfléchi au concept de musée dans le cadre d'un environnement, dans le cadre de son ancrage local. Et les circonstances spécifiques du site, c'est là le principe même de l'ancrage. Et Jordan Castile y a bien réfléchi. Et dans ses portraits, elle utilise des sujets qui correspondent au quartier de Harlem et des quartiers environnants. Donc la spécificité du site, c'est une idée importante pour Andy Robert également, un artiste résident actuellement, donc une œuvre de 2017. On réfléchit à notre avenir et parallèlement, la spécificité du site, ça fait partie intégrante de la façon dont on se définit. Mais comment est-ce que nous abordons notre passé et nous comprenons le cadre muséal dans lequel nous évoluons? La signification du site est importante, s'agissant de notre passé, de notre présent, mais également de notre avenir. Donc, une acquisition récente, Arthur Jaffa, L'amour est le message est la mort, une œuvre de 2016. Et j'ai des collègues autour de moi qui ont déjà présenté et fait l'acquisition de cette œuvre, que ce soit à Miami, à Los Angeles ou à Londres et dans de nombreuses autres villes. Et cette œuvre exprime l'idée suivante. Notre musée se conçoit comme moteur de la diversité, mais c'est une institution qui est née à une époque où on pouvait dissocier l'art de la politique. Et c'est vrai, aujourd'hui, l'art et la politique coexistent. Il est donc important de comprendre ces liens entre art et culture. Donc, pour nous,
On a toujours envisagé l'avenir. Dès le début, ça fait 49 ans qu'on existe et on va bientôt célébrer notre 50e anniversaire. Donc le 24 septembre 1964, c'est le jour où on a ouvert nos portes. Et lundi prochain, on va fermer la toute dernière exposition formelle dans notre bâtiment actuel. On va également inaugurer ce nouvel espace conçu par le cabinet Ajay et nous espérons ouvrir en 2021. Et dans cet espace, qui bien sûr sera un espace institutionnel, et non seulement nous allons accueillir notre communauté, présenter notre collection, nos œuvres d'art, nos artistes d'une façon qui correspond exactement à la mission du musée, mais on va parler de notre passé de façon très profonde et imaginer à bien des égards l'avenir, un avenir qui correspond tout à fait à la vision initiale du musée lorsqu'il s'est créé. Donc, autre œuvre qui fait partie de notre collection, une œuvre emblématique, surtout à l'heure actuelle, une œuvre l'architecte de Jacob Lawrence, une œuvre de 1959, c'est un architecte afro-américain. On imagine les possibilités de construction potentielle. Donc, lorsqu'on réfléchit au studio Muséum. Et lorsqu'on réfléchit à ce concept, au musée de l'avenir, il y a une idée radicale qui se fait jour. La spécificité, c'est là une idée radicale, mais qu'est-ce que cela signifie? Et l'espace muséal doit être pensé comme étant interconnecté, une connexion avec le site, un ancrage local, urbain, avec la collectivité. Mais le studio muséum a toujours eu ce rôle d'ouverture, d'un dialogue concernant les œuvres des artistes afro-américains ou d'origine africaine. C'est une idée qui a toujours régi notre action passée, présente et à venir. Et tous les jours, nous accueillons des jeunes et des moins jeunes qui viennent du monde entier. Et on réfléchit non seulement à titre individuel, on pense au soi, on pense à soi, mais l'idée selon laquelle le musée peut évoluer dans le cadre d'une communauté culturelle, un environnement urbain, un pays, les États-Unis d'Amérique, mais également évoluer dans le cadre du monde. Merci de votre attention. Thank you so much. And indeed, you should all go to New York to see this exhibition. When is it closing? Merci infiniment. Sunday. Monday. Clôture de l'expo. Amazing artists, such as Walter Price, so yeah. Urgent. To go to see the show. And Thelma was mentioning this transition to a new building, and that vous leads us right away to the transition to our next speaker. My man's pleasure to now introduce Michael Govan, who is working with Peter Zum on a new building for 2023. Michael is after serving as president and director of the Dia Art Foundation from 1994. Il était président et directeur de la Fondation pour les arts et Dia entre 1994 et 2006. Il a supervisé la création du Dia Bicom de ce projet. Il était président et directeur du LACMA depuis 2006. En 2008, le LACMA a ouvert une aile construite par Renzo Piano. Le musée d'art contemporain hébergé. On accueille chaleureusement Michael Govan. Hello. Thank you, Hans-Ulrich. Thanks for the invitation. Merci. It's very nice to be de m'avoir here. Invité. C'est un plaisir d'être parmi vous. From Los Angeles, which is sort of the other end of Los the Angeles, earth. C'est un petit peu les antipodes. LACMA actually is probably the youngest of the big c'est museums in the tradition of European le plus jeune American de tous les grands musées dans la tradition européenne. The most modern museums, younger than the Museum of Modern Art. Les plus jeunes et plus modernes que les musées représentés par les autres membres de la table ronde. Et donc on présente de tout, des œuvres anciennes, plus modernes. Et si le MoMA a constitué une véritable rupture dans l'établissement d'une modernité face au Metropolitan Museum qui ne faisait pas suffisamment attention à la modernité, eh bien, le LACMA a pour objectif un réassemblage de cette époque
de l'histoire, de ce point de vue postmoderne. Donc, cette photo a été prise peu après la création en 1965 du musée par Ed Rocher. Le musée a pris feu. Et peut-être qu'il fallait laisser le feu faire son œuvre et réfléchir au concept de ce musée. Makes sense that it's Il est constantly donc changing. And logique I think one of the things we try to do cette évolution permanente. Nous, ce qu'on essaie de faire au LACMA, c'est d'enlever les cloisons, décompartimentaliser, décloisonner les espaces. Suzanne en a déjà parlé. C'est une source d'inspiration. On réfléchit à l'art, on réfléchit aux artistes, aux œuvres d'art, mais on réfléchit également au public. La modernité, comment la maintenir, comment demeurer moderne. Bien là, la question donc deux bâtiments, un pour l'art moderne et contemporain d'une part, et l'autre pour un point de vue plus moderne sur toutes les formes d'art. Et vous avez un bâtiment plat, horizontal, en connexion avec le parc. Et dans une ville multiculturelle, une grande ville comme Los Angeles, à mesure qu'on se diversifie en termes de public, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse différemment en termes de programmation, en termes de collection. Alors, je ne parle pas d'homogénéisation, ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais peut-être une désintégration de la hiérarchie. Un décloisonnement ethnique, religieux, sexuel, etc. Et j'ai une citation que j'adore, une citation éloquente selon laquelle une belle œuvre d'art altère l'avenir, mais également le passé, car cela affecte notre perception du passé. Et le studio muséum, dans son avenir, réécrit notre sens de l'histoire et donc altère notre passé. Modifie notre passé. Et lorsqu'on réfléchit, et je dis ça de façon un petit peu provocatrice, peut-être que moi j'espère que le musée d'art moderne un jour sera obsolète. Si on se projette 200 ans dans l'avenir, ça peut sembler arbitraire hein, qu'un musée soit né en 1880 ou en 1960, car finalement il y a un continuum, un gradient. Un continuum artistique d'œuvres d'art et d'artistes. Je pense que si le cadre est trop strict, on aboutit sur une impasse, un véritable cul-de-sac. On accueille Picasso, Rivera, mais également des œuvres aztèques, mayas, de la Grèce antique. Et c'est intéressant d'avoir cette conversation entre les œuvres du passé et celles de l'avenir. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on voit dans un musée d'art contemporain. Donc, une conversation entre les époques. Et à quoi ressemblerait un musée d'art contemporain à l'avenir? Est-ce qu'il faut une approche encyclopédique à mesure que le monde devient de plus en plus mondialisé? Et vous avez ici un artiste coréen qui est complètement mondialisé. Les artistes sont en dialogue constant avec leurs identités. Et à mesure que le monde se mondialise, il nous faut parler toujours plus de langues. Et les objets historiques, ce qui est intéressant, c'est que les identités peuvent s'intégrer à ces objets en termes visuels et pas simplement par le biais du texte. À mon avis, cette continuité des ismes, entre guillemets, est révolue. In the Field of Empty Days, sur l'art du Moyen-Orient, c'est une future exposition au LACMA, et on a décidé de dérouler la chronologie à l'envers. Vous avez un manuscrit coexistant côte à côte avec une œuvre beaucoup plus moderne. Donc, mondialisation, technologie, photographie, rupture, nous sommes interrompus et ça nous oblige à repenser ce monde mondialisé. Je pense également, si je devais faire des propositions pour l'avenir, je pense qu'on est tous d'accord, hein, les musées vont continuer de devenir toujours plus publics. Notre façon de nous projeter vers l'extérieur, ça ne correspond pas du tout à l'actualité.
ce mouvement est bidirectionnel, ça va dans les deux sens. Et cet effort qui consiste à assurer toujours plus d'intégration, toujours plus d'exhaustivité, c'est un défi auquel on est en but. Certes, si vous regardez le catalogue, moi j'ai remarqué que 2/3 du catalogue est très eurocentré et très masculin. Je ne dis pas forcément que c'est une mauvaise chose. Et puis ensuite, vous avez une grosse rupture et tout d'un coup, il y a toujours plus de diversité. Donc c'est là la rupture de la modernité, ce moment de diversité, et on peut continuer de repousser ces limites à mesure qu'on se pose ces questions. Je pense que c'est là une bonne chose. Le fait que nos définitions évoluent en permanence, on sait que les réseaux sociaux, c'est vraiment un moteur pour créer cette relation bidirectionnelle avec le public. Mais le musée, c'est moins un espace pour projeter notre propre identité et plus un espace auquel le public peut attribuer sa propre identité, s'inscrire lui-même. Et nous, on présente des choses qui permettent cette inscription dans le cadre d'une collectivité et d'une diversité. On construit tout le temps, on évolue tout le temps, on est en fluctuation permanente. Vous avez ici un partenariat, un projet avec l'industrie cinématographique, la modernité. Comment l'envisager sans avoir une égalité de représentation entre les différents médias? Donc l'art, la cinématographie sont présentés côte à côte sur un pied d'égalité. Le nouveau bâtiment de Peter Zumthor va remplacer et non pas élargir le bâtiment existant. C'est pas seulement un nouveau bâtiment, on essaie de mettre en place un nouveau point de vue sur l'exposition. Ça traverse le Wilshire Boulevard, ça remplace 4 bâtiments séparés et on l'a conçu sur la base de ces différentes idées. La plupart des espaces d'exposition sont plats, relevés par rapport au sol, pas de hiérarchie, les formes sont courbes, donc il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'arrière et tout est au même niveau. Et le bâtiment est conçu notamment pour assurer une rotation constante. On a parlé des collections. À titre personnel, je ne pense pas que le public sache ou se préoccupe de savoir si l'objet vous appartient ou si vous l'avez emprunté. Tout est question de présentation. Donc, une collection fixe veut dire une identité fixe. Et à mon avis, à l'avenir, il faut bien assurer une évolution constante de la collection, car on évolue constamment, donc un mouvement constant. Parce que par définition, il y a multiplicité de points de vue sur tous les objets. Il y a toujours de différents récits que l'on peut raconter. On ne va pas inscrire dans le marbre tel ou tel objet ou dans tel ou tel récit. Donc pas de hiérarchie, pas d'avant, pas d'arrière, tout est au même niveau. Transparence, cette idée selon laquelle la présentation se fait dans le cadre de Los Angeles face au public, et autre message, on peut avoir un intérieur et un extérieur. Et peut-être qu'à l'extérieur, il y a du bruit, mais à l'intérieur, on trouve le calme et on peut passer de cet environnement bruyant à cet environnement plus calme et ressortir à Los Angeles. Et cet aspect très plat exprime justement cette continuité avec l'environnement de Los Angeles. Donc, l'époque numérique, l'espace numérique est important pour assurer l'accessibilité de nos collections, mais on a également une galerie. Et récemment, on a fourni notre lien Instagram à une jeune artiste à Los Angeles pour une période de 3 mois. Et puis, on donne à d'autres musées notre propre point de vue. Puis, on s'est aperçu qu'on disposait d'une galerie numérique et qu'il fallait assurer la promotion, pas seulement de nous-mêmes, mais assurer la promotion d'une plateforme. Et c'est quelque chose qu'on constate de plus en plus. On voit des musées qui s'élargissent partout. La Tate, le Guggenheim, le Centre Pompidou, le MoMA, différentes entités.
certaines moi, je proposerais que l'avenir du musée doit se fonder sur différents sites. Pas un site physique unique, mais d'autres antennes également, une extension numérique. C'est le cas à Los Angeles. La plupart des villes modernes subissent une urbanisation galopante. Elles s'étalent tellement que l'idée selon laquelle vous avez une ville très large, très grande, avec un musée au centre, c'est complètement obsolète. La ville est tellement grande que vous avez des communautés qui n'ont pas le même lien au musée, tellement la distance est grande. Et donc, voici notre proposition. On souhaite investir un ancien bâtiment industriel et on voudrait morceler notre musée au sein de notre propre ville. Un petit peu comme un système de bibliothèque publique, vous avez des antennes quartier par quartier plutôt que d'avoir un énorme bâtiment en centre-ville. Et c'est vraiment une époque très stimulante pour les musées parce qu'on met à bas d'anciens modèles et on construit de nouvelles choses. Merci pour votre attention. Michael, thank you so so much. It's Merci. My immense pleasure to now Michael. Introduce J'ai maintenant Glenn le plaisir de vous présenter Glenn Laurie, directeur du Musée d'Art Moderne de MoMA depuis 1995. Il a régi l'expansion du musée et sa campagne en 2004. À l'heure actuelle, il dirige l'expansion du MoMA en collaboration avec Dillard Scofidio et Renaud. Cela correspond à la reconfiguration du parcours de visite du musée. Nouvelles dimensions sont ajoutées au musée. C'est important pour la discussion que l'on va avoir. L'avenir du musée. On accueille chaleureusement Glenn Laurie. Thank you so much, Hans Ulrich, and let me begin merci by beaucoup, thanking Hans Ulrich. Et d'abord, je vais commencer par remercier Jean-Paul Clavry, Suzanne Paget, Olivier Michelon et toutes vos équipes pour cette opportunité incroyable que vous nous avez donnée ici à la Fondation Louis Vuitton pour réfléchir non seulement au futur des musées d'art moderne, mais également aussi à tous les musées. And I pense et repense sur le sujet de qu'est-ce que c'est un musée d'art moderne. So, Quentin, thank you for taking this on for us. I'm not going to show that many images. Alors, je ne vais pas vous montrer trop d'images parce que Suzanne a dit dans son introduction que être moderne, c'était un peu un manifeste et ce que nous pensons aujourd'hui d'être un musée d'art moderne. Et cette exposition a été rendue possible par le fait qu'on est en train de construire. Et donc là, vous avez effectivement une coupe avec ce nouveau projet. Donc, il y a des nouvelles constructions et puis il y a aussi un certain nombre d'espaces qui vont être repensés dans le musée. Ce que ça montre, c'est quand on voit ce qu'on peut penser d'un musée d'art moderne, mais un petit peu comme une institution qui est typologiquement différente à ce que serait un musée consacré à un seul artiste ou un musée vie universelle. Et on revient à un certain nombre de grands penseurs du début du XXe siècle, comme Donner, et ensuite Alfred Barr, qui a été le fondateur en 1929 du moment. Ils ont imaginé ce musée, en fait, comme un laboratoire où le public pouvait être invité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore un laboratoire où sont rassemblés les artistes et les gens. Mais, à mon avis, le point critique sur la notion, en fait, de musée d'art contemporain et ce qu'on peut voir au moment, c'est que les deux parlent des gens, en fait. Et c'est une conception différente du musée universel comme il avait été compris comme une organisation taxinomique d'objets. Pour Barrène, c'était un lieu d'expérience, le musée, c'est-à-dire un lieu qui n'était pas figé.
Et c'est ce qui a fait naître en fait cette idée de lien entre les œuvres et les gens. Et c'est au cœur de comment on peut imaginer les musées d'art moderne comme quelque chose de différent. Et je crois que si le musée est un laboratoire, un lieu d'expérience, alors qu'est-ce que ça signifie, une collection ? Parce que si les laboratoires sont des lieux de recherche, de changement, d'hypothèses, d'échecs, hein, et si les collections sont d'une certaine manière, en fait, le dépôt, le lieu de stockage de toutes ces idées, Bohr a proposé une notion métabolique de cette idée de la collection. Hein. Et donc, une partie de ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de reconnaître pour s'approcher de cette notion du laboratoire qui réunit les artistes et les gens et qui change constamment. Ça veut dire que nous devons changer. Je pense que les musées d'art moderne ont besoin de changer. Et de la même manière que l'art change, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est conduit par les artistes. Hein. Et ce n'est pas une surprise de voir que le MoMA a eu aujourd'hui 10 importantes campagnes architecturale à peu près tous les 10 ans. Chaque décennie, c'est repensé. Et là, on voit donc à gauche les nouveaux espaces qui vont être créés, mais comment ça connecte aussi avec des espaces préexistants pour créer donc des nouveaux espaces comme cette salle de projet qui permettra donc à des installations expérimentales qui seront des commandes. Hein. On n'a pas eu en fait d'espace comme ça. Là, on a une galerie donc qui est éclairée à la lumière du jour, qui pourrait accueillir une œuvre unique hein, et qui serait donc quelque part un endroit un petit peu de calme opposé à une implication très active. Là, on a une nouvelle galerie qui est un studio. C'est pas un espace différent, mais c'est quelque chose qui est intégralement tissé avec la texture et la structure du musée tel qu'il existe. Alors, on a parlé de ce que serait un musée d'art moderne dans l'avenir. Hein. Je dirais que ça serait une série de recherches, en fait. Hein. Voilà, là, on voit Quentin Bajac avec ses collègues qui est en train d'étudier, en fait, hein, des véritables storyboards qui ressemble à ceux du cinéma et il y a différentes hypothèses de configuration pour des salles pour arriver à une histoire différente. Et si je réfléchis à donc ce à quoi va ressembler ce musée du futur, je l'imagine d'abord comme un ensemble d'espaces discontinus. L'idée de la modernité comme un moment historique qui peut être historicisé et retrouvé, comme par exemple on le fait avec la Renaissance, ce n'est pas possible encore aujourd'hui. Hein. Donc ça oblige à regarder les différents récits qui existent et qui vont nous permettre à construire ce moment historique qui n'est pas encore fixé dans le temps. Et je dirais que l'objet, en fait, d'un musée d'art moderne n'est pas de regarder en arrière, mais de regarder constamment vers l'avant et de participer à ce métabolisme en construction. Je crois aussi qu'un musée va créer des espaces et des opportunités à la fois dans le monde réel et dans le monde virtuel, ce qui veut dire donc faire dialoguer les gens avec l'art, c'est-à-dire l'idée du musée comme un lieu de dialogue
de conversation, de débat, et ça revient donc à cette notion hein, qui est inscrite dans l'idée du laboratoire qui invite artistes et publics à se réunir. Le moment, et ça peut être vrai pour d'autres musées, c'est un espace fondamentalement social. Ça veut dire qu'il crée des liens à travers l'art entre les gens. Ça veut dire donc que c'est un espace qui doit mettre l'art en son sens, un art multidisciplinaire. Là, on voit quelques images d'une exposition où on avait reconsidéré notre collection d'œuvres d'avant-garde russe. Et ce sont des espèces de manifestes comme être moderne, c'est-à-dire que l'histoire peut être revue et reconsidérée selon différents possibles, différentes possibilités. Ce n'est pas une histoire qui est circoncise, ce sont des histoires au pluriel qui se déconstruisent, qui se ventilent, qui sont recomposées, et ça veut dire donc que même un endroit qui était défini de manière si étroite, hein, très eurocentrique en fait, hein, où on essayait de montrer en fait les moments clés de l'histoire de l'art en Europe et aux États-Unis du 19e au 20e, on est aujourd'hui en train d'avoir une perspective plus globale qui embrasse des collections américaines, mais au sens continental de l'Amérique et également d'autres continents comme l'Afrique ou l'Asie. Et donc, une des choses qui est si vraie sur être moderne dans cette exposition, quand vous la traversez, c'est la manière dont elle révèle l'histoire, dont elle la déploie et comment, d'une certaine manière, ces archives ou cette exposition, qui est aussi une exposition qui revient sur ce qu'est l'histoire du musée, et on voit bien comment, avec la présentation d'œuvres qui viennent du Moyen-Orient, par exemple, on voit bien que si ces œuvres n'ont pas, si l'introduction de ces œuvres dans les collections n'a pas été particulièrement soulignée, elles appartiennent aux collections avec tout autant de force. Hein. Donc on est vraiment sur quelque chose qui peut être explosé, éclaté et reconsidéré. Donc on est, pour moi, la notion essentielle, c'est la notion de catalyseur. Hein. Et c'est quelque chose qui est central et qui va permettre de reconsidérer, de recadrer ce qu'est notre présent. Parce que, d'une certaine manière, la modernité, après tout, est une espèce de notion utopique, mais qui est toujours présente. Donc, comment est-ce qu'on défie cette notion-là? Comment est-ce qu'on la déconstruit? Comment est au sens démonté, hein, parce que effectivement, aux États-Unis aujourd'hui, le sens même de notre démocratie est mis au défi par une administration politique qui ne croit pas aux États-Unis tels que nous y croyons. Donc, il faut nous, les institutions, que nous montrions ce que c'est d'être des lieux d'immigration où les voix multiples et contradictoires sont bienvenues. Pour moi, aujourd'hui, le moment est un lieu politique qui se donne pour objet d'être politique ou de ne pas être. Et dans cette attitude, donc, d'être un catalyseur, d'être ouvert, d'être généreux, hein, c'est exactement, je crois, ce qu'on a fait quand on s'est lié à PS1, hein, PS1, c'est-à-dire une institution qui avait cette ouverture-là, ce qui voulait dire que nous pouvions, d'une certaine manière, élargir ce qu'on faisait, mais que, d'une certaine manière, PS1, en s'alliant avec nous, allait nous permettre d'intégrer cette attitude d'intégration et cette réflexion. Alors, quelques notions
notion sur la spéculation, sur les hypothèses. Hein, Suzanne a parlé des canons, en fait, et du fait que nous étions le moment un canon. Je pense que les musées aujourd'hui doivent être anti-canons. Ils doivent travailler sur les hypothèses, sur la spéculation. Ils doivent faire des propositions pour la compréhension. Ils ne doivent pas donner de définition. Hein. Et je suis de plus en plus convaincue que, alors que nous réfléchissons à nos institutions, nous devons comprendre ce que ça signifie de devenir des institutions numériques contre ce que nous étions avant, c'est-à-dire analogiques. Hein. Donc, Michael a parlé donc, d'Instagram. Je pense qu'il faut qu'on ait de nouvelles modalités de pensée. Comprenez que la hiérarchie peut être remplacée par le réseau, que le partage est quelque chose qui va se substituer à la possession. Et tout ça, ça veut dire qu'on peut changer radicalement comment nos institutions, particulièrement nos institutions d'art moderne, se lient et comment elles vont définir ce que nous comprenons par la notion même d'histoire. Merci. Thank you so much. And, merci beaucoup, Glenn Lowry. Et évidemment, cette notion de laboratoire nous amène directement à notre prochain orateur, qui est Mikhail Piotrowski, qui est le directeur de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Et il a introduit cette notion de laboratoire avec sa direction du musée. Donc, il a commencé donc les nouvelles, les expositions d'art contemporain dans ce musée, hein, donc 3 millions d'œuvres à l'Ermitage. Donc, Mikhail Piotrowski est diplômé de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg et de l'Université du Caire, et il dirige l'Ermitage depuis 1992. Merci de l'accueillir très chaleureusement. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir. C'est un grand honneur de parler aujourd'hui ici dans ce bâtiment et dans cette institution qui est très liée à ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est-à-dire le dialogue entre l'art et l'espace, parce que dans la Fondation Vuitton, nous avons cet incroyable dialogue entre l'art et l'espace. Hein. Et voilà, et on parle ici d'un bâtiment qui parle avec ses collections et il faut toujours réfléchir à comment la collection et le bâtiment peuvent interagir, ce qu'ils peuvent dire ensemble. L'art moderne et contemporain, bien sûr, il y a eu cette polémique sur la question des collections. Les musées, bien sûr, parlent du passé, mais pour dépasser cette polémique, il nous faut des dialogues différents. L'un d'eux, c'est le dialogue entre l'art et l'espace, je crois. Et on voit ici une partie de l'Ermitage, en fait, hein, donc le palais d'Ivar, le vieil Ermitage et le nouvel Ermitage. On a fait une étude pour voir comment on pouvait travailler avec tous ces bâtiments, avec Rem Koolhaas. Voilà, Hans Ulrich avait participé à ces discussions et l'idée, c'était donc de faire de ce nouveau bâtiment un laboratoire pour l'art moderne et l'art contemporain. Et en même temps, on voulait que le vieil espace puisse aussi accueillir de l'art contemporain et accueillir des expositions qui allaient montrer une manière contemporaine de montrer des œuvres. Alors, ça, c'est un bâtiment de l'Ermitage avec donc c'est un dépôt qui va être ouvert et ça va être aussi un lieu très très ouvert pour montrer les œuvres d'une manière tout à fait différente. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vous parler donc de l'espace du Palais d'Hiver. Hein, c'est un espace où on a commémoré les 100 ans de la Révolution russe. C'était la première fois qu'il y avait une exposition sur la Révolution.
exposition russe. Hein. On n'avait jamais eu d'exposition commémorative, donc pour la première fois, on a fait ça dans le Haut Nikolaïevski. C'était d'abord une exposition sur la porcelaine impériale russe, et donc on a montré cette grande porcelaine impériale qui était le symbole de la Russie, hein, quelque chose qui a été un peu perdu avec la Révolution. La deuxième chose, c'était une exposition dans Selmkefer avec donc différentes installations faites, conçues par Kiefer, et donc c'était son hommage à Vladimir Chnirkov, qui était le grand poète de la Révolution. Hein, et on voyait là quelle pouvait être l'atmosphère en fait de Saint-Pétersbourg à cette période-là, et c'était comment on pouvait exploser l'espace et en même temps l'utiliser. Et le dialogue suivant était l'exposition dans le Palais d'Hiver, proprement dit. Donc, ce n'était pas vraiment une exposition, un peu comme le tableau de Magritte, ceci n'est pas une pipe. Nous avons utilisé des choses que nous considérions comme l'art moderne. Hein. Donc ça, c'est fait par un designer hollandais. Voilà donc généralement notre entrée principale. Hein. Donc c'est le symbole du pouvoir. Là, nous avons un slogan révolutionnaire qu'on a mis face à trois grâces. Et là, donc, cette galerie Mikolovski qui, pendant la Révolution, avait été un grand hôpital. Et là, on voit donc sur les murs les images, en fait, hein, de la période où il y a eu un hôpital. Donc, une icône, là, qui avait été donnée à l'hôpital. Et puis, derrière, vous voyez le portrait de Nicolas II, qui, évidemment, aussi a un lien très fort avec l'histoire. Ce portrait a été découvert cette année dans une des écoles de Saint-Pétersbourg. Et donc, quand ils ont nettoyé, en fait, la peinture d'un des murs, ils ont découvert ce portrait de Nicolas II qu'on ne connaissait pas. Hein. Et donc, c'était assez amusant d'avoir Lénine et Nicolas II sur le mur, hein, dans la même pièce, ensemble, Nicolas II et Lénine. It looks with a lot alors, of multimedia. Also voilà, seems very strange for me that it's also this new art for us. It's contemporary art using all this multimedia pour permettre donc de comprendre. Hein, donc il y a eu beaucoup de discussions avec les différents conservateurs. Une autre chose, si on réfléchit à l'art contemporain, c'est la question de l'art conceptuel. Et là, c'est un journal de Nicolas II et c'est la page où il rend compte de son abdication dans son journal. Et en même temps, il envoie donc un télégramme à sa famille hein, où il dit, en espérant vous voir demain, tout va bien. Et lorsqu'on met un objet comme ça dans une exposition, évidemment, on ressent ça bien plus comme un objet d'art, bien davantage que si on le mettait dans une église. Hein. Voilà. Donc, il dit sur son journal toujours aucune nouvelle particulière de l'extérieur. Et là, on est donc sur de l'art conceptuel. Ça, c'est une baïonnette, une des baïonnettes qui a été utilisée pour tuer la famille royale. J'étais assez opposée à montrer cet objet, hein, mais voilà, ça fait penser à certains ready-made que le MoMA a amené ici. Et en même temps, c'est aussi des choses qu'on avait utilisées dans notre exposition à Amsterdam. Une autre chose encore, ça, c'est une horloge dans la pièce où le gouvernement provisoire avait été arrêté. Et donc, l'arrestation remontait au 25
octobre, à la même date cette année, je l'ai fait marcher. C'était la dernière horloge qui ne marchait pas à l'Ermitage, mais maintenant, cette horloge, voilà, qu'on croyait du 18e siècle, et française, on sait maintenant qu'elle a été fabriquée au 19e siècle, et maintenant, elle est liée à un autre objet de l'Ermitage, c'est-à-dire cette horloge pont qui fonctionne une fois par semaine et qui donne un espèce de spectacle. Voilà une pièce de Kabakov, le wagon rouge. Nous aurons bientôt une grande exposition de Kabakov, après donc celle de la tête et avant l'exposition de la galerie Tretiakov. Et donc, il y a aussi de nouvelles manières d'utiliser l'art en y adjoignant la musique, etc. Là, on voit le dialogue entre des œuvres et une pièce qui abrite la collection. Là, on voit donc une œuvre de Jan Fabre et on voit une œuvre de Snyder qui est sur le mur. Et donc, nous avons mis ensemble des pièces très contemporaines avec des pièces plus historiques. Voilà. Hein, alors, les conservateurs historiques avaient un peu réagi en disant : mais comment osez-vous ? Alors, ça, c'est une sculpture de Thomas Hirschhorn, je crois, je ne suis pas sûre d'avoir vraiment compris le nom. Si vous vous souvenez de comment était le bâtiment avant sa restauration, voilà. Alors là, maintenant, nous nous connectons à un autre monde. Alors pour nous, le monde extérieur est tout ce qui est à l'extérieur de Saint-Pétersbourg. Nous avons un ermitage en Italie, à Kazan, à Amsterdam, et maintenant, nous allons avoir un ermitage à Moscou. Hein, donc ça, c'est le projet, là, dont vous voyez une image. Et il a été fait par Anir Rachid. Et il va ouvrir dans 2 ans. Et ça sera un espace dédié à l'art moderne et à l'art contemporain. Il y aura un espace pour l'art contemporain et le plus grand pour l'art moderne, où nous pourrons montrer des choses comme la collection Tchouchkine. Et ça sera aussi donc un laboratoire pour l'art très, très contemporain. Et je pense que ça sera un lieu très important pour un dialogue entre deux cultures, parce qu'il y a vraiment deux cultures de l'art contemporain entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Et il y a des œuvres qui n'ont jamais été montrées à Moscou, par exemple les œuvres de Jan Fabre. Donc là, on aura aussi un espace pour montrer des artistes qui viennent de Saint-Pétersbourg, contemporains qui n'ont jamais été montrés à Moscou et qui le méritent tout à fait. Et donc, on va travailler donc aussi le dialogue entre l'art contemporain et l'art plus classique ou plus traditionnel. Après, la question et voilà, qu'est-ce que l'art moderne, qu'est-ce que l'art contemporain, hein? Il y a le public, mais il y a aussi, voilà, notre gouvernement nous demande d'utiliser la langue russe, hein, comme les Français. Voilà, voilà, alors, donc, le mot russe, c'est tout ce qui est produit aujourd'hui, et l'autre mot, action, c'est
c'est ce qui est important aujourd'hui par rapport à l'art qui a précédé. Pour moi, ce sont des foutaises. Donc, il faut qu'on explique ce qu'est l'art contemporain. C'est quelque chose qu'on ressent très fort en Russie et beaucoup de personnes dans le public ne comprennent pas en fait la différence. Et le public aujourd'hui est aussi très agressif quand il ne comprend pas. Et de temps en temps, nous sommes confrontés à des situations et qui, où on se dit, mais qu'est-ce qui, dans le futur, pourrait être interdit à l'exposition, non pas par le gouvernement, mais par le public. Alors voilà, là, on voit une coupe du bâtiment. Ce Picasso qui vient de la collection Tchouchkine était impossible à montrer il y a 60 ans pour la majeure partie des Russes. Mais aujourd'hui, tout le monde sait qu'il s'agit d'un chef d'œuvre et qu'il peut être exposé sur les cimaises du musée. Je pense qu'on... Voilà, ça c'est un Canova. Et j'attends le moment où les gens accepteront qu'on enlève cette sculpture des salles parce qu'on a trois filles qui parlent ou qui peut-être se caressent, ce qui pourrait peut-être vu être comme une propagande de l'homosexualité ou peut-être des gens qui vont dire « Mais mon Dieu, ces femmes sont nues, il faut les enlever. » Ce n'est pas une blague. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est ce monde mouvant, mais on y est confronté tous les jours. Et quelquefois, il y a un certain danger à laisser les gens rentrer dans nos musées laboratoires parce que les gens pourraient se mettre à vouloir détruire ce qu'il voit. Merci beaucoup. Thank you so much, Michael, and thank you all very much for your great presentations. I think for the discussion now, there are so many possibilities, where we could take it there, because it's obviously an immense topic, the 21st century, the Museum of the Future. But I think, given the context of the exhibition here, or the MoMA collection, it could be interesting to actually focus really more à la Fondation, on the topic of the collection, the future of the speeches. There are so many points on that. So I want to maybe begin une intégration. Alors, une question à la cantonale. Bien sûr, on reconnaît tous qu'il faut de façon urgente apporter plus de diversité dans les collections. J'ai trouvé ça très intéressant. Ce qu'a dit Michael pour la plupart des collections, est-il vrai qu'il y a beaucoup plus de diversité, beaucoup plus de diversité maintenant que par le passé, que la diversité va s'amenuisant à mesure qu'on s'enfonce dans le passé de la collection? J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Thelma Golden. Je cite, de nombreux grands artistes de la moitié de ce siècle ne sont pas pris en compte dans le canon artistique, bien qu'ils soient toujours vivants, alors qu'il y a des artistes qui sont désormais décédés, mais qui ont été complètement oubliés, malgré la qualité de leur œuvre. Et il est important de travailler de façon cohérente. Et vous nous disiez qu'on avait du pain sur la planche, certes. Pourriez-vous élaborer un petit peu à quoi correspondent ces travaux qui sont urgents, ces efforts qui doivent être déployés? Beaucoup de choses ont été dites et que, d'une certaine façon, il faudrait essayer d'en faire la synthèse. Dès lors que nous parlons de la collection, je crois que nous sommes tous d'accord pour la considérer comme un outil. Je reprends à mon compte ce que Glenn disait tout à l'heure, à savoir que l'espace du musée ne saurait être un espace
figé, il est nécessairement un espace spéculatif. Ce que j'entends par spéculatif, et je crois que tu me rejoindras là-dessus, c'est que, de fait, il ne peut qu'être un espace en mouvement au sens où la pensée doit elle-même être en mouvement. Il faut que le public qui vienne au musée, je dirais même que les publics qui viennent au musée, soient à la fois confrontés à des repères nécessaires. On ne travaille pas sur des sables mouvants, on donne de fait des bases, des fondements pour comprendre les choses. Et moi, je suis de ceux qui pensent, non pas en termes de chronologie, mais je le disais tout à l'heure, en termes de séquence. Mais il faut que parallèlement à ça, et c'est là où l'architecture du lieu joue de fait un rôle absolument fondamental, il faut que nous puissions développer ce que, en français, j'appelle des « steps on the side », pour que, d'une certaine façon, l'espace, justement, de l'institution soit peut-être l'espace de la conversation. J'entends conversation au sens où, au XVIIIe siècle, on parlait de la dispute. Je ne sais si tous mes amis comprennent le sens de cette idée qui, au XVIIIe siècle, faisait que, de fait, il fallait que le discursif trouve pleinement sa place à l'intérieur de l'espace de la critique. Or, l'espace du musée est fondamentalement cet espace social, hein, nous devons tous le savoir, cet espace social où se confrontent différents types de publics et où des rythmes, des tempi sont des tempi qui, de fait, doivent être absolument différents. Mais je ne crois pas que nous puissions le faire in abstracto. Je crois que nous devons le faire à partir d'une matière qui est une matière extrêmement diverse. J'aime que Mihail nous montre des lettres de Nicolas II, j'aime que vous nous montriez les uns et les autres des archives. Ce musée doit aussi être ce musée capable de devenir, ou plus que jamais, un centre de ressources. Je suis de ceux qui, comme mon ami Manolo, je suis de ceux qui aiment les vitrines. Je suis de ceux qui aiment que les musées supposent que l'on regarde certes de loin, je n'empêche absolument aucunement ce principe de contemplation, voire de fascination que l'œuvre d'art peut susciter, mais je suis aussi de ceux qui aiment que l'on regarde de près. Et pour regarder de près, il est clair que nous avons une matière, que cette matière est évidemment aussi soumise à la réalité d'aujourd'hui. Oui, on ne va pas le nier, il y a à travers tous les outils digitaux, toutes les possibilités même de dialogue et d'interrogation pour connecter, comme on dit aujourd'hui, le musée au monde tel qu'il est, des ressources absolument fondamentales. Mais nous ne pouvons pas nier que le problème dans la diversité, il faudrait interroger bien évidemment ce mot dans sa complexité, que le musée de fait doivent être aussi cet espace du laboratoire, mais pas du laboratoire de la pensée, du laboratoire de la pensée. Et je crois que nous avons là, de fait, puisque nous avons des collections, la matière pour le penser, voire la matière pour interroger comment nous développons ces collections. Car de fait, et je pense que dans cette journée, la question sera posée, collectionner aujourd'hui est évidemment plus que jamais devenu un enjeu extrêmement complexe. Et pas uniquement pour des problèmes pécuniaires, pas uniquement parce que l'art c'est cher, l'art ça a toujours été cher, même Louis XIV qui avait du fric, même Louis XIV devant les œuvres de Valentin disait c'est fou ce que l'art de mon temps coûte cher. Donc l'art a toujours coûté cher, mais davantage pour savoir pourquoi nous collectionnons et quelle est la finalité justement de ce que peut être dans ce monde globalisé la construction d'une collection. Thank you very much, Bernard. Are there
D'autres commentaires, notamment cette idée émanant de Michael. Vous avez parlé de l'importance d'une diversité accrue, non seulement concernant le passé récent, mais si on va plus en arrière, moi, j'y trouve du cœur, entre guillemets. Du point de vue historique, les systèmes de valeurs, ce qui a de la valeur pour nous, ça évolue en permanence. Et c'est vraiment une source de courage. J'ai fait partie d'un comité d'acquisition très récemment et l'un des membres m'a posé la question suivante. Depuis quand est-ce qu'un tableau coûte plus cher qu'un meuble ? Et moi, je répondrai la façon suivante. Non, c'est une évolution récente. Petit exemple. L'histoire évolue en permanence, on est d'accord. Eh bien, comme Glenn le disait, c'est pas seulement que les collectionneurs se consacrent à d'autres œuvres. On va traiter sa collection de façon différente. On va mettre l'accent sur telle ou telle œuvre ou telle ou telle période. Il y a eu une époque de l'histoire européenne où il n'y avait pas d'artistes, de femmes artistes. Ou alors, à l'avenir, on va s'intéresser à des périodes qui sont tombées dans l'oubli jusqu'à présent, auxquelles on n'a pas encore porté attention. Et à mon avis, c'est vraiment très stimulant. Lorsqu'on part du principe que l'histoire n'est pas gravée dans le marbre, que ça n'est pas fixe, entre guillemets, qu'il ne s'agit pas simplement d'une simple capacité d'acquisition de tel ou tel domaine, de telle ou telle œuvre non consacrée. Non, il y a une réévaluation permanente et de nouveaux modes de collectionnement permanents. Et ça, c'est stimulant. À mon avis, c'est très utile de réfléchir aux collections qu'on détient. Ce sont des palimpsestes, des moments, des idées qui puisent différentes choses, différentes œuvres dans telle ou telle collection. Récemment, j'ai fait partie d'un comité d'acquisition et on parlait des travaux d'Isa Barrigo. Et à l'heure actuelle, quelle émergence on observe ? C'est peut-être dû à tel ou tel stade de la vie ou l'importance des collectionneurs ou le fait qu'on fait plus attention aux artistes féminines et à leur contribution aux moitiés du XXe siècle. C'est un art qu'on connaissait, mais à l'époque, personne ne s'y intéressait. On ne posait pas les bonnes questions. Il est donc important d'assurer une nouvelle pertinence. On en a beaucoup parlé. On s'assoit à la table avec des artistes qui ont 80 ans, qui ont 90 ans. Et de façon très sanguine, ils vous expliquent, enfin, il était temps. Et il est temps de poser ces questions. L'art afro-américain, le fait de le montrer au Royaume-Uni, c'est important, non seulement à cause de cette contribution au paysage artistique britannique, mais en fait, l'art entraîne l'action dans le monde. C'est en lien avec une pratique sociale. Et de façon curieuse, cette exposition, qui a duré des années 60 aux années 80, s'est faite à une époque où le Brexit était en préparation. Donc on tire des fils, et on puise tel ou tel artiste, telle ou telle œuvre dans la collection, et il faut se montrer alerte. Il y a une fluidité constante, il faut en être conscient. Moi, ce qui me frustre le plus, on me pose souvent des questions concernant notre engagement en matière de diversité. Ça ne vous intéresse pas, etc. L'art de manière générale, etc. Non, mais il y a toute une constellation artistique qui est fascinée par les forces politiques et sociales, et parce qu'on s'intéresse à la diversification, ça ne veut pas forcément dire qu'on veut établir de nouveaux artistes. Non, ce qu'on veut, c'est permettre l'émergence de nouvelles cadences. C'est une jolie façon de parler de la chose, effectivement. On peut parler de cadence. Moi, de plus en plus, je m'intéresse de moins en moins. De plus en plus, je m'intéresse de moins en moins à l'idée même d'une collection. À mon avis, c'est un mode de pensée analogique qui remonte au XIXe siècle. Le substrat fondateur d'un musée, cette assise. Oui, certes, c'est un instrument important, pour reprendre l'analogie de Bernard. Mais à mon avis, si on s'éloigne de la collection en tant que telle, si on arrête de réfléchir et qu'on
pense plus aux récits qu'on essaie de faire et aux voix qu'on essaie de faire porter, eh bien, on met l'accent sur autre chose. Et cette problématique, le fait d'avoir une représentation insuffisante des femmes au début du 19e siècle ou pas assez de représentation des artistes afro-américains au 20e siècle ou des artistes asiatiques, etc. À partir du moment où on y réfléchit, il y a un biais, un préjugé. C'est pas qu'il y a absence ou manque de créativité artistique, c'est une question de préjugé. Et donc, quelle est l'intention artistique? Là est la question. Et plus vous avez d'installations, et là je fais référence à des installations qui sont perçues comme faisant partie des activités permanentes d'un musée et non pas d'un événement ponctuel, je pense qu'il est important d'amplifier ces pratiques passées, mais également les aspirations actuelles, ces idées actuelles. Mais ce qui est encore plus stimulant, justement, plus on y réfléchit, plus ces espaces vont être stimulants. Ce serait naïf que d'ignorer ces préjugés, car ils existent, mais ce serait tout aussi naïf que d'estimer que d'établir leur pertinence aujourd'hui, car à nous d'explorer ces préjugés et de démontrer que la production artistique est beaucoup plus complexe aujourd'hui que par le passé, beaucoup plus compliquée qu'on ne le pensait. Et cela me ramène à ma réflexion sur le fait que si on arrive à intégrer votre idée, votre concept institutionnel dans un cadre numérique, vous arrivez à louvoyer et vous arrivez à bouger latéralement et à vous éloigner de ces hiérarchies préexistantes. Si on n'a pas les œuvres d'artistes féminines du début du 19e siècle pour établir la base des travaux de leurs des femmes artistes qui les ont successées par la suite, si vous ne les possédez pas, ben empruntez-les, faites évoluer votre collection. Je ne pense pas que ça devrait paralyser le développement d'installations ou de récits, de narrations qui soient pertinents au présent. Et dans 5, 10, 15 ans, ça bougera aussi, parce que notre connaissance aura évolué. Je suis d'accord avec Glenn. J'ai eu ce privilège de parler de la question avec lui du point de vue de la programmation. Cependant, l'idée selon laquelle le geste d'acquisition, le geste d'achat, ça entraîne une légitimation pour les artistes jusqu'à présent exclus. Et à titre d'exemple, vous avez un espace incroyable dans les archives du Studio Museum. Ce qui est étonnant, c'est les œuvres qui nous ont été léguées, qui nous ont été données après à d'autres tentatives pour les donner à d'autres institutions, d'autres musées dans les années 70, et les musées les ont refusées. Et des artistes maintenant qui sont consacrés, qu'on a réinterprétés. Des artistes, je pourrais vous donner les noms, dont les œuvres ont été refusées par d'autres institutions et qui maintenant ont trouvé leur place. Et donc, d'un point de vue historique, il y a toujours eu des exclusions. Comment intégrer un artiste? Comment l'accepter? Eh bien, il faut le présenter, il faut le mettre en exergue. C'est un acte très simple. Et lorsque vous avez une présentation mono-artiste, et tout le monde a eu ça dans les années 60, dans les années 70, il y a eu des artistes qui ont eu leur propre événement, leur propre vernissage, ils étaient tout seuls, et pourtant, ils ne font toujours pas partie du canon, toujours pas partie du corpus. Donc, cette idée selon laquelle, oui, il faut un avenir pour le musée, oui, c'est important, il faut un musée de l'avenir, mais il faut que les modes d'acquisition évoluent, et il y a des préjugés qu'il faut corriger de façon que nous puissions nuancer notre vision de l'histoire en mouvement. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on est d'accord. Faith Ringgold, par exemple, c'est une artiste brillante, une activiste. Ce n'est pas qu'elle n'était pas présente dans les années 60, ou les années 70, au contraire, elle était bien là, c'est juste qu'on a oublié sa voix. Pourquoi ?
et on la réoublie de nouveau. Et comment est-ce qu'on peut s'empêcher de l'oublier une nouvelle fois? Mais pourtant, ces œuvres figurent dans votre collection. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Mais ce pouvoir d'affirmation, du geste d'acquisition, à mon avis, ce qui est important, ce n'est pas seulement d'en faire l'acquisition, c'est de l'exposer. Il y a deux musées d'art moderne. Vous avez le musée, d'une part, qui est affiché au mur, et puis vous avez un autre musée, c'est notre collection, c'est ce qu'on a dans les archives. C'est rien que la possession est importante, mais ça ne veut pas forcément dire, tout simplement, parce qu'on a l'œuvre en stock, qu'elle est présente dans le musée, et même s'il existe une présence numérique sur Internet, à mon avis, le seul acte qui permet à l'œuvre de prendre son sens, c'est une présence, c'est un affichage, c'est un accrochage. Donc il y a une tension, un dialogue, une possibilité. La possession d'une part de l'œuvre, c'est important, mais ce qui importe, c'est de l'afficher, c'est de l'accrocher, et de façon régulière. Sinon, l'œuvre retrouve son invisibilité. Mais bon, c'est là un point intéressant. Bernard souhaitait faire un commentaire. Je me souviens, Glenn, de l'époque où l'escalier du Bauhaus de Oscar Schlemmer était à côté de l'escalier du MoMA. Et je me souviens aussi de l'époque où la jungle de Wilfredo Lam était aussi, je dirais, quelque part sur le côté. Je pense que... Ça, c'est une mythe de Catherine David, mais on reviendra là-dessus. Oui. Bon, j'ai... Et je pense que, justement, il y a là quelque chose d'absolument fondamental dans la construction même de la présentation des collections qui réinstalle cette dimension critique à partir de certaines œuvres emblématiques. Oui. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je continue de dire que acquérir m'intéresse. Je voudrais en donner un exemple concret. Nous venons d'acquérir, pour une somme toute dérisoire au regard du prix de l'art, ce que nous avons tous considéré comme le grand chef-d'œuvre d'un artiste que beaucoup d'entre vous auront peut-être oublié, qui est Julius Paskin. Paskin a joué un rôle absolument considérable dans l'histoire des idées de l'entre-deux-guerres. Il était même tellement célèbre que, dans l'instant où il est mort, toutes les galeries parisiennes ont baissé leurs rideaux en signe de deuil. Et cette œuvre s'est présentée sur le marché pour un prix, somme toute, assez ridicule. Et par un subtil montage, nous avons pu l'acquérir. Mais pourquoi avons-nous acquis cette œuvre? Pas pour combler un trou, pas pour essayer, si vous voulez, de résoudre ce parfait narratif qui n'existe pas. Simplement parce qu'à un moment donné, à travers cette œuvre, il y a la possibilité de développer un statement. Il y a la possibilité de l'utiliser véritablement, je dirais, à deux niveaux, à la fois dans sa dimension proprement universelle, et on sait que le propre de l'art, c'est à la fois d'être du présent et d'être de l'universel, et donc de l'utiliser pour développer, en quelque sorte, d'autres réflexions. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, pour moi, le musée idéal est évidemment celui qui, à partir de certaines œuvres, je dirais emblématiques, je n'ai pas envie de dire iconiques, je n'aime pas cette dimension du religieux qui viendrait s'accrocher à certaines œuvres, je dirais donc plutôt des œuvres emblématiques, bien justement, une réflexion sur justement ce que collectionner veut dire, ce que s'engager veut dire. Je sais que c'est un mot qui est banni aujourd'hui, mais moi j'aime bien l'idée que l'engagement soit une décision pour une cause imparfaite, Et je pense que nous devrons tous retrouver quelque part l'idée que le musée est un espace imparfait. Et non pas un espace imparfait au sens du passé, mais un espace justement qui, quelque part, a le droit à l'erreur et doit assumer cette dimension-là. Mais je crois qu'absolument fondamentalement, collectionner doit être pensé dans ce sens. J'ajoute à cela que les procédures qui permettent à certaines institutions, aux États-Unis par exemple et en France, sont si différentes pour acquérir que nous ne pouvons pas nier que nous sommes face, nous, chez nous en France, pour le meilleur et pour le pire, je n'en sais rien, mais c'est ainsi, ça n'est d'ailleurs
loin s'en faut, pas pour le pire, que nous sommes face à des décisions absolument déterminantes en matière d'acquisition, tout aussi bien pour ces œuvres du passé qui, de fait, auraient été négligées, oubliées, tombées dans l'oubli, et Dieu sait qu'il y en a, Dieu sait qu'il y en a, mais aussi parce que le choix du présent, certes, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, le choix du présent peut bien évidemment être prêté, peut prêter à mille interprétations, mais marque aussi à un moment donné, je disais, l'engagement même de l'institution dans le présent. Or, un musée moderne et contemporain, tu as raison, c'est un musée, certes, qui a été moderne, mais qui doit, comme tu le disais, devenir moderne. Now, in many of your speeches, there were references to non-object related art. Vous faites référence à l'art non lié aux objets. Et le sujet que j'aimerais aborder désormais, c'est d'une part l'histoire de l'art in the 20th century, de 1900 à 1960, mais a history of objects. Le XXe siècle donne la prééminence à l'histoire des objets, mais ensuite il y a eu dématérialisation, on entre dans le domaine du non-objet, donc opposition entre l'objet d'une part et le non-objet d'autre part. Ici, France, vous avez Michel Serres, philosophe légendaire, toujours vivant, et qui a développé le concept du quasi-objet. À partir du moment où on entre en interaction. Recently, et pour compliquer les choses, une date plus récente, Martin, vous avez Timothy Martin, philosophe contemporain, qui a parlé de l'hyper-objet. Il parle d'un écosystème, du climat notamment. Et je me pose la question de savoir si vous pouviez aborder un petit peu cette idée de l'avenir, l'avenir du musée. Je ne parle pas uniquement des objets, mais également des quasi-objets, des non-objets, des hyper-objets, et histoire de rendre les choses concrètes, la question est la suivante. L'idée de la possession. Est-ce que posséder une œuvre, ça reste encore la solution? Car on constate une énorme évolution, une évolution étonnante au cours des 15 dernières années. Je ne parle pas des spectacles vivants. Le live art. Le live art, entre guillemets, n'existe qu'au cours des heures d'ouverture. Donc ce sont les mêmes horaires d'ouverture et la durée d'existence de cet art, live entre guillemets, l'art du direct entre guillemets, correspond aux horaires d'ouverture. Et comment l'intégrer à la collection du musée? C'est difficile parce que ça coûte très cher que de l'exposer. Et donc ce n'est plus une question de possession, d'acquérir ou pas, de posséder ou pas l'œuvre d'art, c'est une question contractuelle. Peut-être qu'il faut des subventions, une dotation, pour qu'au cours des 50 ou 100 prochaines années, le musée pourrait exposer de l'art en direct. De mon point de vue, les musées ont la responsabilité de résoudre cette équation. Comment travailler avec les formes d'art les plus intéressantes, même si ça coûte cher, même si c'est compliqué, même si ça pose des problèmes méthodologiques ou conceptuels? Pour commencer, l'art du direct, ça n'a rien de nouveau, encore une fois, ça existait déjà. Il y avait énormément d'artistes dont les œuvres étaient éphémères, transitoires. Ça n'a rien de nouveau. Et donc, l'histoire peut être reconstruite. Parfois, l'histoire n'est accessible que par le biais d'archives. Mais la question est de savoir, que se passe-t-il lorsque l'artiste n'est plus vivant? Est-ce que son art en direct, est-ce que son art vivant, entre guillemets, se poursuit après le décès de l'artiste? Mais, et c'est là une dimension encore plus importante, ce qui est très intéressant de nos jours, c'est le nombre d'institutions qui sont aux prises avec cette problématique. We made a huge commitment. Nous
on a posé un énorme engagement. L'art, on dirait que je ne parle pas uniquement du spectacle vivant ou de l'art vivant, mais on a décidé que l'art, en direct, le live art, ferait partie de notre collection, qu'on n'allait pas le ghettoiser, que ce soit dans le jardin ou ailleurs ou en extérieur. Non, qu'il ferait partie intégrante de notre collection. Une composante objectifiée sur un même pied d'égalité que le reste. Donc, mais quel serait notre ressenti dans 5 à 10 ans? Je ne sais pas. Est-ce qu'on aura toujours les financements? Je ne sais pas. Est-ce que notre public sera toujours réceptif? C'est autre chose. Mais c'est le type d'expérience qu'il faut mener. Et encore une fois, gardons l'esprit ouvert, car on entre dans un domaine où il n'y a pas forcément de prescription, entre guillemets. J'aimerais rebondir là-dessus. Construisez, vous édifiez des espaces pour accueillir ce type d'œuvre. Et la tête également. Mais de plus en plus, ce type d'art en direct transcende nos murs et suivent l'artiste. Et nous sommes obligés de suivre l'artiste. Et donc, le musée en tant que laboratoire, ce qui est le plus important, auquel il faut s'accrocher, et je ne pense pas qu'on l'ait systématiquement fait par le passé, rappelons-nous que l'objectif d'un laboratoire, c'est de se livrer à des essais. Et c'est encore plus intéressant lorsque les résultats sont inattendu, parce que si on fait des tests et que les résultats correspondent à vos attentes, ben, ce n'est pas une expérience, quel est l'intérêt? Donc, il faut s'engager à se préparer à obtenir des résultats inattendus. À mon avis, c'est ce qui est le plus important. Et du point de vue pratique, à l'heure actuelle, à la tête, nous, on parle de fonds d'activation et non pas de fonds d'acquisition. On s'assure que lorsque l'artiste nous fait une proposition, on puisse évaluer, quantifier à la fois les coûts en évolution d'acquisition et d'activation. Et on peut faire appel à d'autres institutions pour partager les coûts d'acquisition de façon à augmenter le rayonnement de l'œuvre géographiquement, mais également temporellement. Donc, à la tête, on a travaillé avec les œuvres de Tino. Et dans la Turbine Hall, dans cette galerie consacrée aux turbines, c'est une pièce énorme. Il y a énormément de passages, beaucoup de touristes, et puis ils entendent dans l'oreillette énormément de narrations. Mais à Londonderry, c'est un endroit où j'ai de la famille, c'est là que j'ai grandi. Mais à l'époque, le square, le terrain de jeu, le parc où jouaient les enfants fermait le dimanche. Alors que faire à la place? Donc ce site d'interaction sociaux, d'interactions sociales sont très différentes. Il faut bien comprendre que l'Irlande du Nord, on aime bien parler, on est très bavard. Et donc, on a beau essayer de contrôler ce qui se passe au sein de l'expérience, il faut bien comprendre que les gens parlent beaucoup plus en Irlande qu'à Londres. Et donc, ça a eu une influence sur l'expérience. Et on constate ce plaisir génial du public qui s'approprie l'œuvre. Et l'œuvre prend une forme complètement différente. En fonction du public, en fonction du pays. Et je pense qu'il faut un engagement total en termes d'ouverture. Parce qu'il y a des choses qui évoluent d'une façon complètement inattendue, il faut pouvoir suivre. Et j'aimerais ajouter que pour une institution comme le Studio Museum, où notre priorité c'est l'artiste, on a appréhendé justement cette idée de l'art en direct. C'est simplement une progression de notre raisonnement. Comment peut-on aider l'artiste? Oui, on reconnaît ce lien vis-à-vis de l'activation, mais c'est également un projet de récupération. Vous avez l'art en direct au fil de l'histoire, mais il n'y a pas d'archives consacrées au sujet, il n'y a pas de potentiel de formalisation, cette idée d'intendance qui permettrait à cet art de survivre et de s'épanouir. Il n'y a pas tout ça. Donc, vous avez d'une part les espaces physiques, la façon dont ils ont été conçus, mais il faut également réfléchir à la collection en tant qu'archive, en tant que corpus, en tant que fond. C'est au cœur du débat. Il ne s'agit pas simplement d'une collection d'objets.
Et donc, évidemment, si on parle de collection d'objets, on sait que les objets sont toujours des fragments, et ça, c'est vrai pour tous les objets. Hein. Et quand on constitue des collections, on a l'idée de conservation. Ça veut dire donc on conserve tout ça et on a construit tous ces outils et c'est notre travail, si on le fait bien, de penser à tout type de production culturelle, que ce soit la performance ou que ce soit l'art vivant, comme Tino Segal. Et voilà, je pense que c'est l'idée d'immatérialité de l'objet n'est peut-être pas très adéquate, mais enfin, en tout cas. Ce que Tino Segal a développé, c'est une critique du devenir objet de la performance. Mais il n'a pas, finalement, nié ce que je pourrais appeler la fonction fatigue, si vous voulez, du souvenir. Et la fonction fatigue, c'est-à-dire la fonction comme ça relationnelle entre l'objet et son public, elle a un prix. Et je dirais que d'une certaine façon, nous qui nous sommes intéressés ou sommes intéressés au travail de Tino Segal, nous sommes aussi confrontés à cette réalité, le prix du souvenir. En l'occurrence, mettre en espace une œuvre de Tino Segal a un coût qui est d'ailleurs un coût assez considérable. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a aussi quelque chose d'absolument essentiel à mettre ici face à notre public, à mettre en évidence face à notre public, c'est évidemment la part qu'on ne peut pas négliger qu'il y a entre l'acquisition de l'objet et également la mise en relation de toutes ces expériences que l'on évoquait tout à l'heure. Moi, je crois absolument en ce que disait Roman Jakobson quand il disait, vous savez, finalement, n'oubliez pas que j'étais à Berlin au moment de la foire Dada. C'est-à-dire que n'oubliez pas que j'étais là pour entendre des bruits et des sons. Et que d'une certaine façon, si quelque chose de la linguistique s'est développé à travers moi, c'est que j'ai entendu les bruits et les sons de Dada. Et notre responsabilité, qu'est-ce que c'est ? C'est que dans l'instant où vous installez aujourd'hui avec les reliques, avec ce que quelque part Tino Segal dénonce, une salle Dada, eh bien, pour que vous fassiez entendre, comprendre ou passer quelque chose justement de Dada, ben vous devez en appeler à la voix de Kurt Schwitters récitant la Urlauten Sonate. Vous devez en appeler à des documents, une archive qui mettent en évidence que justement Dada produisait aussi une critique de la seule objectalité même des œuvres d'art. Donc j'en reviens à mon histoire de musée, j'en reviens à mon histoire, je dirais, de présentation des collections. Nous avons aujourd'hui, de ce point de vue, dans une manière de défaire et de refaire la relation du public à l'œuvre, à introduire justement non pas des œuvres immatérielles pour le seul plaisir de l'immatérialité ou pour donner le sentiment que nous échappons à la logique même de la marchandise, mais nous avons simplement à le faire parce que je suis absolument convaincu que repenser la modernité, c'est la repenser à l'aune de catégories qui ne sont pas nécessairement celles des beaux-arts. Now I was thinking we could go on here because of course there is also the topic. It not only relates to live art, it also relates to the idea of collecting exhibitions. No, the other day. Donc, voilà. L'autre jour, j'étais à New York et je parlais à Perry. Donc, elle a travaillé donc à cet art, au développement de l'art pour la cuisine. Hein, et c'est Buren avait fait une conférence ici même à la Fondation. Et voilà, je pense que peut-être dans la salle, il y a une question ici au milieu. Si on peut avoir le microphone. S'il vous plaît, ne parlez pas sans micro. Est-ce que c'est plus difficile d'entraîner les gens à visiter des musées maintenant qu'on a toutes ces technologies qui permettent de voir de l'art sans aller physiquement au musée?
Alors, je pense que c'est plus facile, en fait. Mais je pense que c'est une relation qui est contre-intuitive, en fait. Je suis très exaltée par la prolifération des obsessions de niche, la poursuite de l'expertise. Voilà. Et donc, ce monde sur nos téléphones. Et pour moi, il me semble que ce qui est en train de se passer, c'est que, en parallèle donc au développement de la technologie, c'est que ça fait naître de la curiosité pour les objets anciens ou contemporains, mais ça amène aussi un désir de se lier à ces objets dans un contexte social. Alors j'ai le sentiment que les réseaux sociaux et cette capacité de trouver des informations très très rapidement, hein, et notamment sur les hommes, ça crée le désir de parler en fait avec quelqu'un de ce qu'on vient de découvrir et ce dans cet espace social. Et je crois que d'une certaine manière, il y a une plus grande porosité de nos institutions à ces médias sociaux. Hein, c'est important. On fait partie de ce monde numérique et nos institutions aussi. Et avoir effectivement que quelqu'un rencontre la collection de la tête vraiment ou à travers le téléphone à Shanghai hein, doit être tout autant considéré que la rencontre physique. Je rajouterais juste rapidement que pour moi l'idée d'un musée ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 n'a rien à voir avec où vous êtes, en fait. C'est le fait que vous pouvez aussi vous relier à l'endroit et à ses idées. Hein. Et on peut essayer de commencer à imaginer une version plus étendue des musées, hein, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas connecté à un endroit. Et ça veut dire qu'en tant que public, hein, vous pouvez penser votre relation à nos musées où que vous soyez de manière intéressante et nouvelle. Je crois que ce que ça veut dire aussi, c'est que notre expertise devient d'une certaine manière une espèce de marque de fabrique, hein, parce que évidemment, elle est bien plus diffusée et il y a un désir de plus en plus grand pour savoir où est-ce qu'on doit chercher les informations hein, par rapport à la connaissance et en plus, où est-ce que vous pouvez avoir confiance en ce que vous trouvez. Et donc, on a une position très intéressante, c'est-à-dire que nous partageons notre savoir généreusement. Ce qui est intéressant, ça permet aussi de changer la hiérarchie entre les petites et les grandes institutions. Ça veut dire qu'une plus petite institution peut avoir une vie numérique beaucoup plus étendue, beaucoup plus développée. Mais ça permet aussi de parler différemment au public et engager des dialogues que quelquefois la géographie et l'échelle n'auraient pas permis. Est-ce qu'on a davantage de questions? Premier rang là. Bonjour, merci pour toutes ces explications. Je viens de la banlieue parisienne et j'aimerais bien savoir comment le musée pourra faire pour pouvoir aller vers ces quartiers enclavés, pour faire participer les jeunes qui sont enfermés dans les cités. Je suis artiste, autodidacte, je suis une maman et qui me suis mise à la couleur, à m'amuser avec la couleur que mes enfants ont laissée. Ça m'a donc fait beaucoup de bien, ça m'a fait pour supporter beaucoup de problèmes. Et je suis au milieu des jeunes qui sont dans leur jeu, dans leur quartier, dans leur dimension. Comment est-ce que, puisqu'on parle de modernité, comment est-ce qu'on peut pouvoir réfléchir à une idée pour que le musée puisse peut-être se déplacer hors les murs, hors le périphérique, hors les frontières? Thank you for this question. Who wants to answer?
Madame, je peux peut-être tenter de vous répondre de façon concrète. La fonction de l'éducation est la fonction peut-être aujourd'hui centrale, évidemment, du musée. Et vous avez raison de dire que tout le monde ne vient pas au musée. De ce fait, nous tentons différentes expériences, même si je n'aime pas employer ce mot à l'envi, et nous avons tenté de le faire à l'occasion des 40 ans du Centre Pompidou. Vous le savez, nous avons eu 40 ans, pas moi, mais le musée, et à l'occasion même, ça vous fait rire, et à l'occasion donc de ces 40 ans, j'ai proposé au président du Centre Pompidou que nous organisions des opérations hors les murs et que nous fassions ces opérations dans des lieux de hiérarchie ou d'importance différente. Il y a à la fois les partenaires naturels, comme on dit, les institutions en région, mais il y a à la fois de toutes autres institutions. Nous avons donc sollicité certaines cités, certaines villes, pour faire des opérations ensemble. Le résultat, madame, qui est beaucoup d'énergie, comme vous l'imaginez, et une logistique assez complexe, est un résultat formidable. 1,5 million de visiteurs est venu cette année dans ces opérations dites hors les murs. Il faut certainement, vous avez raison, les amplifier. Et il faut le faire à l'aide même du patrimoine. Il faut le faire parce que je continue, même si j'entends tout ce que l'on dit du côté du digital, rien ne remplace, à mon avis, l'expérience même physique qui peut y avoir, voire la révélation même qui peut y avoir devant l'œuvre, que cette œuvre soit peinture, qu'elle soit film, qu'elle soit musique, qu'elle soit absolument ce que vous voulez. D'un autre côté, nous mettons en place, avons-nous raison, avons-nous tort, là encore une fois, la dimension de l'expérience dont nous parlons tous est absolument fondamentale. On teste des choses et il faut avoir l'humilité d'y renoncer si elles ne fonctionnent pas. Nous mettons en place, vous le savez, une école. Pourquoi ? Parce que je déplore qu'à la différence des États-Unis, le lien entre l'université et le musée n'existe pas. Il y a même, il faut le reconnaître, il y a probablement parmi vous des universitaires, voire des enseignants, il faut le reconnaître. Il y a véritablement dans notre pays une coupure absolument tragique entre le monde même de l'enseignement et de l'université et le monde même des musées, à l'exception évidemment de celle, je regarde Elisabeth et je pense que le contexte est différent, mais à l'exception de celles qui sont pleinement investies dans ce que sont, somme toute, nos questionnements. J'ai donc proposé que nous fassions une école. Je voulais à l'origine proposer une école simple, celle où de fait les gens viennent s'asseoir, j'allais dire un cahier à la main, un ordinateur sur leur genou, pour essayer d'avoir cette relation directe à l'œuvre. On m'a suggéré, et nous le testons, d'inventer autre chose. C'est l'ère des MOOC, comme vous le savez. Et donc, nous mettons en perspective cet enseignement à travers ces MOOC qui permettent une interconnexion entre le public et l'institution. Je ne sais pas, madame, quel sera le résultat. Je ne sais absolument pas quel pourra en être l'impact. De la même manière que je mesure mal ce que tous, tant que nous sommes, nous faisons pour les enfants, pour les adolescents, pour les différents publics. Mais je sais absolument que c'est évidemment une dimension fondamentale de notre action et que les moyens pour le faire sont évidemment à la fois des moyens humains et des moyens, je dirais, absolument sans fin. J'ajoute à ça, je parlais tout à l'heure d'engagement, je voudrais utiliser un autre mot ronflant, un autre mot pompeux, je voudrais parler de responsabilité. Je crois que d'un point de vue philosophique, aujourd'hui, une des questions absolument essentielles est celle de la responsabilité. Je n'irai pas jusqu'à dire, pour faire encore plus pompeux, l'éthique, même si c'est évidemment une question absolument essentielle. D'ailleurs, l'éthique mène à la joie, si vous lisez Spinoza. Bon. Mais je crois absolument essentiel que du côté de la responsabilité, les artistes aussi soient mobilisés. Ils le sont dans le monde du théâtre, par exemple, peut-être davantage qu'ils ne le sont dans le monde des arts plastiques. Et je trouve, par exemple, tout à fait fascinant, pour faire le lien avec ce qu'on évoquait précédemment, que quantité de gens du théâtre
ou de la chorégraphie. Je songe en France à des Jérôme Bell, à des Xavier Leroy. Je songe en Espagne à une Maria Laribot, par exemple, ou à beaucoup d'autres. Veuille utiliser l'espace du musée comme une plateforme qui permette de briser, somme toute, la scène à l'italienne, hein, l'autorité du discours, celle qui nous met face à vous, pour introduire une relation différente à l'œuvre d'art. Le problème est que l'art moderne, il s'est construit dans sa dimension critique, non pas comme du consensus, mais comme du dissensus. Et je pense que l'opposition entre consensus et dissensus, c'est aussi quelque chose qui, dans ses recherches de relations, je ne dis pas d'esthétique relationnelle, même s'il y a des choses à réfléchir dans ce qu'avait inventé Bourriaud en son temps, des choses à critiquer, mais des choses à réfléchir. Mais je crois que, si vous voulez, cette opposition entre justement consensus et dissensus doit être sur un mode alors politique, j'emploie le mot, une des fonctions du musée. Do we have other comments to this question or... I think in many ways your question and your statement. Je pense que ce que vous venez de dire, madame, et vos questions sont au cœur même de ce qui a été au cœur du studio muséum. Nous pensions qu'un modèle ne pouvait pas répondre à tous les besoins, et je crois toujours très profondément que si on réfléchit à mettre la culture plus en avant et l'espace plus en avant, et donc c'est évidemment la spécificité des institutions qui doit être là, c'est-à-dire savoir aussi comment des institutions qui vivent en dehors des privilèges et des musées, ou des privilèges et de l'institution, peuvent mériter un musée. Hein? Et de toute façon, voilà, il faut que ces gens qui vivent dans nos communautés puissent avoir... Alors, je pense, madame, que c'est une très, très bonne question, parce que nos métropoles s'étendent sans cesse et il y a beaucoup de barrières et le domaine numérique n'est pas suffisant. Alors, on a résolu ce problème à Los Angeles, hein, qui est une ville tellement étendue. On a fait un sondage où on a réfléchi à des endroits où on pouvait avoir des partenariats donc on a donc proposé à certaines personnes de prêter des collections, des infrastructures existantes, et pour des endroits où il n'y a pas d'infrastructure, on est en train de réfléchir à comment, d'une certaine manière, on va exploser notre musée, hein. Alors ça fait peur, hein, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, mais je crois que dans un endroit comme Los Angeles, qui est si étendu, vous n'avez pas le choix, parce que effectivement, les programmes éducatifs ou les questions du numérique ne sont pas suffisantes. Alors, c'est une très, très question très intéressante, parce qu'on a parlé aussi, bien sûr, de la diversité et de la manière dont on peut accéder. Hein. Jeffa, quelqu'un avec qui j'ai travaillé à Londres, il disait, vous ne pouvez pas juste attendre que les gens viennent voir vos expositions. Vous devez amener les expositions aux gens. Hein. Voilà, par exemple, Love is a Message, qui est effectivement son travail emblématique. Il ne voulait pas le montrer dans la Serpentine Gallery à Londres. Il voulait l'emmener dans différents lieux, hein, en dehors du centre. Et je pense aussi, donc, si on reprend cette question de la diversité des accès, on doit aussi réfléchir à la question du droit d'entrée et de la gratuité. Donc, c'est quelque chose voilà, qui a donné lieu à de grands débats en Grande-Bretagne. Hein. Donc, je crois que cette notion de la gratuité des musées est quelque chose qui, effectivement, est une question encore plus brûlante aujourd'hui. Un matin, donc, je vais à la Serpentine très tôt, 7 heures du matin, voilà, le taxi me dépose, il me dit, vous travaillez là? Et il me dit, wow, génial, j'ai
toujours voulu parler à quelqu'un qui travaillait là parce que j'avais envie de parler de l'histoire de ma fille. Et il me dit, voilà, elle était là et voilà, sa fille est rentrée en fait dans effectivement l'exposition et sa fille a une expérience qui l'a transformée. Et il dit, mais moi, je ne vais jamais au musée, ce n'est pas pour des gens comme moi. Donc, on voit la barrière qui est là. Et il me dit, si vous demandiez 10 centimes, ma fille ne serait même pas rentrée là. Et maintenant, elle lit des ouvrages d'architecture nuit et jour. Et il est absolument convaincu que ça n'aurait pas été le cas si elle n'avait pas pu rentrer gratuitement à la Serpentine. Alors, moi, je suis convaincue de la gratuité. Alors, on a combien d'heures pour répondre à cette question ? Alors, quelques observations. L'idée de la gratuité, c'est comme un pain tranché. Évidemment, c'est une idée qui est attirante quand on n'a pas de subvention. L'admission gratuite est sans doute l'entrée gratuite est quelque chose qui est désirable, mais en même temps, c'est sans doute pas possible. Je dirais que nos donateurs nous permettent de subventionner beaucoup le prix d'entrée, mais gratuit, je crois que c'est impossible. J'aimerais beaucoup que tous les événements culturels soient gratuits, mais pourquoi, je vais vous poser une question, pourquoi pensons-nous qu'il est plus important que les gens puissent rentrer gratuitement au musée que pour aller voir une pièce de danse ou une pièce chorégraphique. Hein? Parce que d'une certaine manière, les musées ressemblent davantage à des lieux de production. Je pense qu'il faut repenser cette notion. Hein? C'est-à-dire après, il y a des gens qui ont dit que certaines parties étaient gratuites, d'autres ne l'étaient pas. Qu'est-ce qui justifie qu'il y ait une partie gratuite et une partie non gratuite? Je pense que c'est facile de poser la question, mais c'est très, très difficile de réfléchir à cette question institution par institution, pays par pays. Alors, voilà, nous avons en fait les expositions temporaires qui sont payantes et assez chères, mais par contre, la majeure partie des espaces sont gratuits. Et je pense que vous avez raison, Glenn, les analyses doivent être faites différemment selon les pays. Je pense que s'il y a des subventions, de l'argent public en fait qui est mis dans les institutions, ça pose la question différemment. Et en Grande-Bretagne, nous avons effectivement de l'argent pour nos institutions, mais aussi de l'argent public, donc également pour les acquisitions. Et pour moi, il est absolument fondamental que nous partagions cette collection publique dans tout le pays. Il faut qu'on puisse trouver un moyen de diffuser notre collection, de la montrer. On n'est pas seulement un musée qui a aujourd'hui 4 localisations en Grande-Bretagne, 4 lieux en Grande-Bretagne. Mais évidemment, la réalité économique de faire payer pour les expositions, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on peut avoir ces deux, ce modèle économique particulier avec des endroits payants et des endroits gratuits parce qu'il y a suffisamment, on est dans une capitale, on a suffisamment de touristes et parce qu'on a aussi une population suffisamment importante qui va avoir envie de voir ce qu'on montre. Je dirais qu'il y a environ 70% de nos visiteurs qui viennent pour quelque chose de gratuit et 30% pour les expos temporaires. Mais à Liverpool,
On ne peut pas faire payer les expositions temporaires. C'est un modèle économique qui ne marcherait pas. Hein. Donc, ce n'est pas qu'on ne veut pas emmener des expositions temporaires spéciales à Liverpool, mais si on le fait, il n'y a que 20% des gens qui vont aller la voir, que 20% des visiteurs. Et cette question de l'accès est, à mon avis, est totalement liée aux capacités économiques des gens. Hein. Et d'une certaine manière, c'est le reflet précis de l'état économique du pays et des moyens qu'ont les gens. Votre anecdote, donc, sur cette jeune fille qui était rentrée et qui, à la Serpentine et qui ne serait jamais rentrée si ça n'avait pas été gratuit. Mais moi, je me demandais si la barrière n'était pas le coût et le sens d'être bien accueilli, bien reçu. Je pense que c'est très important, Glenn. Ce qu'on étudie actuellement à la tête, pour les jeunes de moins de 25 ans, ils veulent, ces gens-là, ils veulent pouvoir rentrer beaucoup moins cher dans nos expositions. Ils sont prêts à payer 5 livres qui, d'une certaine manière, ajoutent une qualité à la qualité de l'exposition. Moi, je dirais que c'est une mauvaise question, c'est-à-dire que ce n'est pas une valeur, en fait. La valeur, c'est créer la possibilité à la population la plus large de venir dans vos musées. Alors, voilà, effectivement, le lundi gratuit, faire venir les enfants gratuitement, c'est une manière d'essayer d'élargir nos publics. Moi, je ne crois pas à un absolutisme, hein, c'est-à-dire qu'on a fait payer un certain nombre de personnes qui pouvaient le faire et on a réussi à augmenter, à multiplier par 4, en fait, nos visiteurs gratuits. Et pour nous, voilà, on sait que notre objectif, c'est d'avoir le plus grand nombre possible de visiteurs et que l'entrée gratuite n'est qu'un outil. Et j'ai toujours le sentiment que c'est une question qui est mal placée. Les gens sont souvent très, très sensibles à cette question. Alors, j'ai un micro dans la main. Je suis Andrew Mester et c'est une section donc d'éducation. Nous avons travaillé avec Tino Segal, nous venons de Bonn et nous travaillons sur la question du changement climatique. Alors c'est un privilège pour moi d'être ici et je suis très contente, voilà, que vous ayez partagé avec nous toutes vos connaissances et vos anecdotes. Vous avez parlé d'éducation à l'art, vous avez aussi parlé de nouveaux bâtiments. Évidemment, le contenu, c'est l'ingrédient, c'est la chose la plus importante pour vous comme directeur de musée. Vous avez parlé de vos nouveaux bâtiments qui sont prêts à ouvrir ou qui vont bientôt être construits. Et vous n'avez pas parlé de la question de la durabilité et la question donc environnementale. Je pense que c'est très, très important pour les musées qui ont une place importante dans la société, de bien mettre en avant cette préoccupation environnementale sur la durabilité, particulièrement pour des villes comme New York et Los Angeles. Et je me demandais si vous pensiez à ces questions, si ces questions étaient dans vos têtes ou dans vos cœurs, voilà, particulièrement dans ce contexte-là. Je dirais pour quelqu'un qui est complètement impliqué dans la nouvelle construction et la réflexion sur cette nouvelle construction, je dirais que c'est une question très importante pour nous. Mais pour nous, cette question de préoccupation environnementale, ce n'était pas seulement par rapport à la construction du musée, mais aussi sur la capacité d'avoir un bâtiment
qui puisse considérer les problèmes environnementaux dans un environnement, dans un lieu où ces questions ne sont absolument pas considérées. Hein. Donc, il ne s'agit pas seulement de créer en fait un bâtiment qui soit écologique, hein, mais comment avec la construction d'un bâtiment comme celui-ci, on puisse mettre ces questions plus en avant. Alors, je dirais, oui, oui, bien sûr, on n'a pas parlé de ça, mais cette question de la durabilité et effectivement de la durabilité des préoccupations environnementales, on parle aussi, bien sûr, de comment les choses vont pouvoir durer dans l'avenir, comment on va économiser l'énergie, le nouveau bâtiment que vous avez vu, qui est effectivement horizontal, doit avoir des panneaux solaires. Je pense que ça sera peut-être un bâtiment sans besoin énergétique. Hein, voilà. Well. Moi, j'ai créé l'association de journalistes du patrimoine, donc je parle de patrimoine et je sais de quoi je parle. Il y a une offre de patrimonial, c'est très proche de la problématique des musées, extrêmement importante en France. Vous avez les journées du patrimoine, il y a 12 millions de personnes qui vont chaque année voir des milieux des monuments, etc., du patrimoine. Et on ne peut pas dire quand même que c'est uniquement un problème de décentralisation et de problème de politique, parce que la décentralisation de culturelle, elle existe, et les musées en font évidemment partie. Et les associations dans leur région, là où elles militent, sont très nombreuses à proposer quelque chose. Alors, c'est pas toujours les choses ne doivent pas forcément toujours venir d'en haut. Il faut que ça vienne aussi d'en bas, c'est-à-dire les familles, la culture, l'enseignement, et pas seulement du politique au niveau national et au niveau régional. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que l'offre culturelle, elle existe vraiment. Pardon ? Oui, mais il y a plein de choses qui existent en France, je ne sais pas, aux États-Unis, oui, un petit peu, en Russie, je ne sais pas. Mais je pense qu'en France, en tous les cas, l'offre est très importante. Et on ne peut pas toujours dire que c'est le politique qui est responsable de la chose. Évidemment, le politique à travers l'éducation, les familles, les endroits où la délinquance n'existe pas, ça existe. Merci pour ce commentaire. Do you want anybody to answer, or is it more like a comment? Après, les cas suivant les pays sont très spécifiques, donc on ne peut pas entrer là-dedans. OK. Donc, merci pour le commentaire. And if somebody wants to answer this, we can maybe take one very last question. Do we have a... Une dernière question. Final question. Yeah, we have a question from Angeline Scherf. C'est un marathon. Juste évoquer, peut-être vous réentendre sur le numérique. Est-ce qu'il y a des collections d'œuvres numériques en cours dans les musées, bien sûr, enfin, j'imagine, mais est-ce qu'il y a un positionnement, parce qu'on a parlé de l'art en direct, mais le numérique me paraît aussi au cœur de la réflexion de la collection et du musée aujourd'hui. Donc, Angeline, je crois qu'il faudrait que tu précises ce que tu entends par collectionner le numérique. Et par ailleurs, comment est-ce qu'il y a des expositions d'art numérique qui sont prévues sur les sites des musées? Voilà, est-ce qu'il y a une politique, une stratégie particulièrement impliquée sur ce sujet institutionnel, j'entends bien sûr. La seule chose que je voudrais dire, peut-être que je me trompe, c'est que le numérique ne me paraît pas une catégorie esthétique. Le numérique me paraît un outil. À partir de ce moment-là, il croise quantité de productions contemporaines, à commencer par, bien évidemment, le cinéma, dont on sait qu'aujourd'hui, il est essentiellement sur support numérique. Je dois avouer que, pour ma part, je refuse l'idée de considérer le numérique comme une catégorie, si tu veux, de l'esthétique, au même titre qu'on a pu le dire de la vidéo ou d'autres disciplines. Et que, de fait, dans mille et une situations, tant avec des œuvres du passé qu'avec des productions contemporaines, nous sommes face justement à la réalité numérique, voire à des artistes qui sollicitent, et nous sollicitent, pour produire des œuvres qui, de fait, s'appuient sur cette réalité numérique. Mais pour ma part, c'est en tant que, si tu veux, discipline ou catégorie qui viendrait s'adjoindre aux autres que, de fait,
je dois avouer que j'ai une forme de scepticisme. Même si je crois effectivement, et de ce point de vue, je trouve que la Tate fait quelque chose de tout à fait remarquable, l'utilisation même de son site pour la production de certaines œuvres confiées à des artistes, de ce point de vue, est tout à fait intéressant. We have more comments on this. I would just say we have a department. Je dirais que on a donc un département du musée qui est orienté vers la recherche et qui est lié donc avec le département des commissaires et des conservateurs. Mais en tout cas, je suis d'accord avec Bernard Blisten. Je suis pas sûre que le numérique soit un médium parce qu'il y a des formes tellement différentes. Mais je crois qu'on est à un moment extrêmement intéressant et où d'une certaine manière. Les artistes nous mettent au défi de nous intéresser au numérique et on est en train d'apprendre à vivre dans le numérique et exister avec ces formes différentes. Alors, peut-être une dernière remarque pour conclure. Bernard a dit qu'on devait se souvenir de Kenneth and Mikshine et je voudrais aussi dédier notre table ronde to the memory of Hubert Damisch, a great art historian. I will always remember his exhibition in Rotterdam, un des plus grands commentaires, en fait, qui avait été fait sur les œuvres du XXe siècle. Alors, je vais lire une citation de la grande poétesse Ethel Adnam qui vit à Paris. Voilà, je vais reprendre ce qu'elle a répondu à ma question, qu'est-ce que le musée du XXIe siècle ? Le musée du futur n'est pas la séparation, il a besoin d'amour, pas de suspicion. Et je vous remercie tous. Voilà, et remerciez-les chaleureusement, nos intervenants de ce matin. Et évidemment, on redémarre à 14h30 avec donc la table ronde qui sera modérée par Elisabeth Lebovici. 2:15 actually. Elisabeth Lebovici's panel at 2:15. OK. 14h15. Yes, it is. Thank you.